Chez toi, non? Allô? Ouais, allô, Ouais, bonjour vous m'entendez? Marie. Ouais, c'est bon, on a compris. Ferme ta gueule. Bon, vas-y, Ferme ta JP, gueule, t'as pas qu'à faire des dramas, espèce de gros là. Ouais. Bon, allez, vas-y, je vous. Tu viens, JP? Ferme ta gueule, je te coupe ma gorge. Ouais. Commencez par m'égarer, j'ai Attends, mal aux yeux. il est en pleine game, il est en pleine game. Faut que tu regardes sa game. Ouais, Ah, je il viens. quitte? Est-ce qu'il va quitter pour toi? Qui, JP? Ah! Ah! Merci, JP. Ah, j'ai intégré au groupe. Attends, je vois un truc là, il y a un truc là. Vous entendez bien sa voix à l'autre corbeau? Ouais, Waouh! mais Allez, ferme ta baisse-le! gueule! Mais baisse-le! Tu vas avoir un drama sur ma gueule, ça les dit, tu sais, gros. Ouais, on doit danser. Oh, t'as vu ça? Dis-moi Ah pas ouais. qu'elle est en train de fumer une clope là. Non, regarde, trop classe ce qu'il a eu sur le jeu. C'est quoi? T'es un loup. C'est la Suis technique un de loup. chou. C'est la technique de chouquette. En fait, tu danses pour avoir le loup, quoi. Bon, allez, JP, c'est bon ou pas là? Ouais, bah 5 minutes, fils de pute. Ah, c'est ça le problème. Heureusement que je t'ai Oh, dit tu vas. c'était. Heureusement que je t'ai dit qu'il était de bonne humeur ce cochon là. Il est de bonne Ouais, humeur de ouf. Il a passé toute la journée avec Kaina. Putain. Du matin au soir, ils étaient posés, discutés. Tu l'aimes bien, franchement, Kaina ou pas? Sincèrement, JP. Ouais, bah oui, gentil, hein, et sympa, on discute, tout, tranquille. Ouais, mais comment ça se fait que quand elle était pas là, t'étais tout le Quoi? temps. En gros, T'étais t'étais tout le tout. temps fermé dans ta chambre. Ouais, dans une grotte, et là, depuis qu'elle est là, t'es souvent en haut. Regarde, même tout à Bah l'heure, quoi? quand je suis venu te dire bonjour, t'étais Bah quoi? installé sur le canapé, tranquillement. Bah ouais. Ouais, mais Mais pourquoi? non. Ouais, mais Bah, ça te ressemble pas! c'est comme ça, là. J'en sais rien, moi. Pourquoi, comment, un petit achnac. J'en sais rien, Vas-y, moi. JP, je t'en supplie. Hey, C'est JP, tout. en fait, JP, t'es en train de faire quoi là? De quoi? Mais fais un truc, tu lances une game! Attends, j'arrive, je sais plus comment quitter cette merde de jeu, quoi. Il est Peux pas dans une que je. game en fait depuis tout à l'heure. Oui, je suis dans une game, retournez au salon. Oui, voilà, j'ai trouvé. Mais en tout cas, attends, je vais juste fermer la clim. Oh, t'as pris soin de ma perruche ou pas? Aujourd'hui. Elle est morte, elle est passée toute la nuit, il Ouais, dort. j'entends crier, j'entends crier. Ah, le corbeau aujourd'hui, il est passé ou pas? Ouais. Vas-y, Là, mets il dort prêt, là. JP. T'as bien mis en duo, hein? Mais après, tu parles Ouais, de c'est un quel que Battle tu. Royale duo sans construction, bien sûr. Tu parles duquel de Sans corbeau, construction. TK? Le corbeau, l'animal, là. Bah, il y en a deux, frère, je sais pas, Oh, les c'est deux toi sont qui es pas. De toute debout. façon, bref, les deux ils sont passés aujourd'hui. Oh, mais ferme ta gueule, toi, fils de pute. Commence à me gaver les couilles. Pourquoi j'ai 656 spectateurs? T'as combien de spectateurs, toi? Combien? Attends. T'en as Hey, JP! Hey, JP, 823, ton je sais. anniversaire, JP, ton anniversaire, c'est quand? Ouais, Ah non! j'ai. Attends, Aujourd'hui. effectivement. Mais je serai pas Attends! là. Je mets chez mes parents. Attends, non, JP, non, d'accord. Mais le jour de ton anniversaire, s'il te plaît, fais-le à la villa. Mais je peux pas, je suis chez mes parents, gros. Ouais, Ah, mais. c'est bon, tu me fais à la villa, le lendemain, tu pars. Voilà, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Oui. La surprise qu'on voulait te T'inquiète, faire. pas de On a surprise, une hein, surprise bien de sûr. malade pour toi. Oui, bien sûr. Tu sais la Vous surprise faites qu'on voulait une lui crasse, c'est même pas la peine. Je sors de la villa, je pars, je reviens plus. C'est d'appeler les flics et Oui, bien dire sûr, t'as intérêt à les flics toi-même, moi. qu'il y a un squatteur La qui veut surprise, je vais passer dans embarquer les menottes et la tout. ville. Il fait son anniversaire Oui, bien comment ça sûr. s'appelle? En garde à vue. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, j'ai la voiture. Putain! Oui, tu vas faire quoi? Attends, t'as mis les mots de construction, JP? Bah, c'est toi qui es le chef du groupe, connard. Oh, attends, mais quitte alors, s'il te plaît, désolé. Quittez, quittez. Qui est un squatteur, putain. Ouais, vous faites ça, c'est même pas la peine, je vous parle même plus jamais Mais en fait, de ma mais non, vie. mais c'est affectif, c'est juste qu'on veut voir ta Non, 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 gueule. j'ai jamais été au ex, vous allez jamais. Jamais été en Au garde quoi? à vue, Au jamais été dans un EPS? commissariat, Il gros. a dit quoi? Allez pas me casser les couilles. Il a jamais été au EPS. Sinon, je préviens qu'il y a des, y a un pointeur à la villa et un dealer. Oula! Oula, tu vas un peu trop loin, toi. Le fils de pute! Il va au EPS. Il va au EPS. Il est jamais allé au Merde, EPS. c'était là-haut. Ben, c'est pas grave, on va là, on va là, on va là. Non, mais il a quitté la game en fait. J'ai quitté, Comment? JB. Viens, viens. Pourquoi t'as quitté? Parce que c'est mode construction. Ouais, mais il est con, ce fils de pute. Il est con, mais il est con. On pouvait faire la game facile, on les a démontés, gros. Je vais appeler la police si je veux dire. Il y a un squatter qui Vas-y, mange change. mes perruches. Tiens, JB, attends, je te nomme chef du groupe, tiens. Attends, c'est mieux. Ouais, c'est pas changé en plus. Chérie. Ouais, changer une game, c'est comme changer ton slip. Ah non, c'est vrai que tu changes pas de slip. Ta gueule, ta gueule. T'as la parole trop facile, toi, aujourd'hui, hein.
Tu changes pas de kit pendant la fête. Vas-y, mais voilà, zéro construction, parfait. Arrête ou tu vas finir au EPS. Mais quand il enlève son slip, c'est pour le retourner, quoi. Ah, mais il y a le. Non, je me disais. Ouais, j'ai mis 60 secondes pour que les gens puissent s'exprimer tranquillement et voilà. Mais bannissez pas les messages, hein. Laissez les gens s'ils veulent dire des choses, laissez-les. Hein. On n'est pas sur le chat de JP là. De quoi? Ah, rien. Tu vas te faire fixer te calmer bien fait, toi. T'as fait nuit blanche? Tu vas te calmer. T'as fait encore nuit blanche? Bah non, j'ai dormi. D'accord. T'as passé. Moi, je dors pas jusqu'à 17h. Il a fait 5 heures de live TikTok avec une meuf. Bah, ce matin, ouais. Et alors? Je fais ce que je veux de ma vie, non? Attends, ce matin, t'as fait 5 heures de live sur TikTok? Ouais, et alors? Mais pourquoi tu dis alors? C'est une question, frérot! Et alors? Et alors? Eh, tu vois le live à un moment, comme la tête de Wang, tu voyais les deux personnes parler. Mais genre pendant 15 minutes. Ils se parlaient même pas, personne parlait. Juste ils étaient là. Frère, il faisait un FaceTime en live. Ferme ta gueule, commence pas à m'égarder les couilles, gros. Je fais ce que je veux de ma vie, gros. On n'a pas dit avec elle. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit. Et tu l'apprécies cette meuf ou pas? Oh, c'est comme ça, point. Comme ça, l'amour d'elle, frère. Voilà, mais quoi? Mais t'es taré, toi. Mais frère, tu fais 5 heures de live avec une meuf sur TikTok, tu vas me dire que t'es pas amoureux d'elle? Pas du tout. Et tu l'as jamais. Ah, bah tu fais quoi? Ah, tu fais quoi 5 heures en live avec elle? On parle, c'est attends, tout. Attends, on discute, attends, ça veut dire qu'il tape quand même 5 heures, 6 heures de stream, même 8 heures de stream sur Twitch, et à côté, il tape 5 heures sur TikTok. La tête, 5 heures et. Bref, vas-y. On est tous d'accord pour dire que si tu fais 5 heures de live sur TikTok avec une meuf, tu la kiffes, tu meurs pour elle. Oh, ferme ta gueule, va devenir moins puceau et ferme ta gueule, ok? Commence pas à me gaver les couilles. Et j'en ai rien à foutre. Pas de puceau, t'as 43 ans, t'as qu'une 4 fois dans ta vie. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, JP. Non, arrête, c'est pas moi. C'est bon, c'est pas moi. Non, mais c'est lui, je te jure, c'est j'ai rien dit. T'es fils de pute. Voilà, moi j'ai rien fait, JP. Ah non. Mais pourquoi il me bute, frère? T'as un truc de fou. Vous voulez bien me casser les couilles, hein. Voilà, jamais me laisser tranquille. Il fait 5 heures de live avec une meuf qu'il connaît pas, frère, parce qu'il pète pour elle. Frère, il parle même pas dans la conversation. Elle, la meuf, elle fait des lives avec lui juste parce que ça monte ses stats. Quand elle est en live avec lui, elle fait 300 viewers. Et dès qu'il part du live, elle fait genre 30, même pas 30 viewers, 10 viewers, frère. C'est vrai ça, JP, c'est mensonge. Voilà, il parle même pas avec elle. Elle lui parle même pas. Après, c'est son problème. Non, mais 5 heures de live TikTok, frère. Apparemment, la fille qui est avec toi, elle est juste là pour les stats. En gros, j'ai pas fini, tu me dis quoi? Laisse-moi 2 secondes. Rien à branler des stats. Mais non, en gros, Zama, quand on est pas avec toi, fait, je sais pas, apparemment 18, 20 viewers. Mais genre, quand on est avec toi. Mais laisse-moi finir. Et quand on est avec Watt, a fait des 300 viewers. Bah, c'est normal. Bah voilà. C'est comme si c'est tout à fait normal qu'elle fait des 300 viewers. Bah voilà, Naruto il a dit que c'était normal. Ouais. Parce que TikTok il te met automatiquement quand tu rentres en conversation avec en FaceTime avec elle, automatiquement il te met en live. Pour comprendre, il faut regarder les lives. Vous tombez par terre. Vous voyez les deux leur tête. Sincèrement, entre toi et moi. Pendant 5 heures sur TikTok, en fait vous parlez de quoi pendant 5 heures? De tout. D'accord. Par exemple, toi, tu as déjà parlé de quoi? Tu as déjà parlé de quoi, toi? De tout. De tout et n'importe quoi, c'est tout. Pourquoi? Comme ça. De rien, je parle même pas. Mais ça va bien. Et si ici il devait y avoir quelque chose avec cette fille-là, genre une petite relation? Non, jamais rien. Non, mais si il devait. Il meurt pour elle. Frère, TK, 5 heures de live TikTok, à même pas trop parler, juste tu montes ta tête et tout, genre t'es avec elle. Frère, 5 heures. 5 heures, JP, pas à nous. 5 heures, frère, 5 heures. Eh, 5 heures, c'est frère, t'es prêt sur une. Eh, il rajoute 2 heures, c'est une journée de travail, mon gars. Je te jure, tu rajoutes 2 heures, c'est une journée de travail. Oh, JP. Putain. Non, tu veux fermer vos gueules, quoi, tu... hein? Ferme ta gueule. C'est quoi? Bon, en fait, j'ai le droit de rien faire, gros. Mais si, justement. J'ai le droit de... Non, si, j'ai le droit de rien faire. Non, si, je te jure, t'as le droit. Mais je suis comme des fils de pute, quoi. Mais non.
Ouais. Je jure, ça me garde. Mais frérot, t'espionnes pas. Excuse-moi, je vous espionne, dire, vous avez fait ça. Ouais, pourquoi t'as fait ça hier soir ou pourquoi t'as fait ça hier soir? Mais frérot, on l'espionne pas, frère. On lance TikTok à 8h du matin, il est en live avec elle, je lance à midi, il est en live avec elle, je lance à 14h, il est en live avec elle. Frérot, personne l'espionne. Tu voudrais pas des fois reposer un peu ton cerveau, JP? De quoi? Genre, je sais pas, après avoir fini un live de 6h, 8h. Attends, ça, c'est vraiment déjà. Tu streams combien d'heures par jour sur Hier, j'ai streamé 2h, c'est tout, point. Il a streamé 2h sur Twitch parce qu'il a passé 5h sur TikTok. Attends, le pire, c'est qu'il gratte rien sur TikTok, hein, parce que lui, il est pas en live, hein. Lui, il est pas en live sur TikTok. En gros, c'est la meuf qui est en live et lui, il rejoint son live, mais c'est pas compté comme s'il était en live, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, il gratte rien. JP, c'est un bénévole. Ouais, mais il est bénévole. Et nous, quand on lui demande de venir 5 minutes sur notre live, frère, il pleure. Eh, frérot, je vais mettre une perruque, je vais m'appeler Élise, 23 ans. Il va faire des 10 heures de live avec moi. Hein. Non, JP, non, c'est bien. C'est bien, JP, c'est bien. C'est pas grave. T'es heureux? Est-ce que moi, t'es heureux avec cette fille? De quoi? Mais pourquoi t'es heureux avec cette fille? Ah mais heureux, genre, tu te sens bien avec elle? On discute, c'est tout. Ouais, mais voilà, donc t'es bien avec elle. On discute. Mais oui, d'accord, mais t'es bien avec elle, je veux dire. Bah, y'a rien d'autre qu'on discute, que si je parle bien ou je parle pas bien. Oui, mais tu comprends pas, j'essaie pas de te faire dire que si tu l'aimes, je te dis, est-ce que t'es bien avec elle? Mais c'est que j'ai une personne, c'est une personne que, voilà, que ça passe en discussion, c'est tout. Oh là 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 là. Je vais te faire dire des choses que j'aurais pas dit. Pour après dire tu m'aimes, je te connais comme si je t'aurais fait, gros fils de pute. C'est mort là. Hein, tu commences pas à me gaver les couilles, je fais ce que je veux de ma vie, et si vous êtes pas content, c'est le même prix. Eh, dis-lui qu'il a même pas besoin de parler, 5 heures en live avec elle, bénévolement. Ouais. Attends, 5 heures aujourd'hui. Il tape des 5 heures tous les jours, tu m'as compris. Ils sont à 50 heures de live, ils se connaissent même pas 24 heures, tu vois le délire. Oh JP, t'es vraiment loin de moi, s'il te plaît. Essaie de t'approcher un peu de moi, s'il te plaît. C'est toi qui vas pas assez vite. Ouais, non, mais frérot, ouais, mais tu communiques pas, tu me dis pas, tu m'as même pas dit, j'avoue, je sais pas. Toi qui vas pas merci assez beaucoup, vite. Merci beaucoup, Malin, merci beaucoup. JP a trouvé une meuf car elle est aveugle. Ah, le bâtard, non. Non, elle s'en bat les couilles de lui. Mais qu'est-ce que t'en sais que tu s'en bats les couilles? Bah j'étais sur le live, les gens ils lui disent « JP c'est quoi pour toi ?» Ben rien. Non mais rien du sens, rien genre... Elle peut dire c'est un ami, rien, genre « JP c'est quoi pour toi ?» Rien. Et la tête d'homme, des bails chelous. Et le pire c'est pas ça, c'est que des fois elle fait monter d'autres mecs dans le live. Ça veut dire que des fois il y a JP et plein d'autres mecs, c'est-à-dire il y a une meuf et trois mecs. Et ils sont tous là, ils se regardent, et dès qu'elle parle avec un, les autres sont dégoûtés. T'es super loin gros. C'est trop drôle. En vrai, le live, il est drôle. Merci beaucoup, frère, pour ton frame. JP, putain. Ça, si tu serais pas né, il aurait fallu t'inventer, JP, je te le dis. Et en plus, les mecs, ils ont tous le même profil. Genre, c'est tous des quarantenaires un peu squatteurs. Je suis là, JP, je suis là. JP, démute, Naruto, démute. Non, il est mute, il va casser en cuir, gros. Désolé. Oh mon dieu. On dirait une séance d'alcoolique anonyme. Ils sont tous là. Regardez, ils se regardent. Ils sont tous des tranches cabossées. Ils sont tous là pour une meuf de 23 ans. Ils sont pas les couilles d'eux. Ils peuvent rester 5 heures sur leur live. Oh là là, c'est incroyable, quel monde. Il serait prêt à tout pour un tout petit peu d'attention d'une meuf de 23 ans. JP, non, JP, ouais. Je te jure, moi, hey. Vraiment, tu recherches quelqu'un ou pas, JP? Ouais, ça, non. Non, mais t'aimerais bien. Merci beaucoup, frérot, pour ton prime. Merci. S'il y a des pubs, les gars, je suis vraiment désolé. Hein. Attends, on est le combien? On est le... Attends, on est déjà le 19, là? Ouais. Mais wesh. Bah, vite, hein. Attends, mais ça veut dire, là, c'est bientôt... Bientôt les Halloween, là. Halloween. Ah, c'est quoi? La prochaine, c'est les vacances. Wouah,
mais non, c'est... attends, mais les vacances, c'est quand, les gars? Ah, c'est vendredi, c'est vendredi. C'est ce vendredi, là. Merci beaucoup, frérot, pour ton prime. Ah, c'est vendredi, ok. Attends, mais attends, oh lolo, attends, j'ai loupé quelque chose. Les abonnés, vite fait, en 2-2. C'est à partir de quand qu'on pourra jouer à la campagne de MW2? Demain. Demain? Wouah, eh, demain je fais un 10h 20, 10h de live, hein. Quoi? Ouais, il parle dans le vent, sûrement, comme d'habitude. Non, mais parce qu'il se fout de ma gueule. J'ai rien à 10h, c'est rien. Eh, tu m'as démuté, JP, tu m'as démuté? Il faut démute Naruto, s'il te plaît. Mais alors, même si j'aurais démute, pourquoi j'ai envie de lui parler? Mais le pauvre. Calme-toi, mon gars. Ah, c'est toi qui viens te calmer. Mais il y a la vie privée. Mais qu'est-ce que vie privée? T'es en live avec elle pendant 5 heures, frérot. Tout le monde, il y a plus de vie privée. Tout le monde sait ce que je fais ce que je veux, gros. Bah oui. Ah, vas-y, nique ta mère, voilà. Mais bien, tu viens pas m'aider, tu es l'autre côté. Attends, mais ouais, mais frérot, tu vas tout seul, tête baissée. Ah, c'est bon, l'autre il me casse les couilles. Mais ah, t'as rien dit. On a rien dit. Ferme ta gueule, je parle à qui je veux, d'accord? Mais j'ai rien dit, frère. Mais ouais, t'as rien pas parler de ça. T'as 5h, 6h, 10h, 20h, 30h ou 40h ou même 24h, j'en ai rien à foutre. 40h ou même 24h, ouais, y'a un problème dans le calcul. Merde, dommage. C'est trop dommage, putain, j'avais tué le premier. Vas-y, fais continuer, on fait relancer, bordel de merde. JP, faut que tu restes un peu à mes côtés, s'il te plaît, hein. Oh, je suis pas ton chien, donc. Pourquoi à chaque fois que je te parle, soit je te prends pour un chien, soit tu vas me dire, je me fous de ta gueule. Oh, ça va finir en drama encore, tout ça, merde. Ouais, ferme-la ou on se coupe la connexion. Je peux simuler une crise cardiaque. Eh, hey Naruto, t'as pas une pommade pour... Je commence à avoir des ch'tards dans la gueule, là. Non, mais si tu veux, j'ai un défibrillateur. Non, non, vraiment, regarde mon front, je te jure. Regarde, je commence à avoir des boutons, frérot. C'est où? C'est pas le front, là. C'est le crâne, c'est la calvitie. Non, oula, non, regarde, vraiment, tu vois mon live ou pas? Regarde, t'as vu, je vois. Les petits points? Ça pas fait dégueulasse. Ouais. Tu sais, c'est quoi, ça? Ouais, dis-moi. Ça, c'est à force de faire chier les gens quand ils sont en live. Non, mais ça, je te parle sérieux, frérot, je te parle de boutons et tu me dis faire chier les gens. J'ai des boutons. Et tu veux quoi comme pommade? Mais je sais pas, justement, tu connais pas un truc, moi, je sais pas. Ah, JP, t'as pas un peu de sperme à lui donner? Arrête, s'il te plaît, arrête, merde. En plus, c'est du vieux sperme. Non, je trouve qu'il est... Non, je trouve vraiment qu'il est calme, là. Putain, ça a déjà commencé Halloween. Oh les gars, viens, on se fait une soirée Halloween. Nous aussi, on se déguise. Je te l'ai proposé hier, je l'ai dit à tout le monde. Eh oui, les abonnés, sincèrement, vous me voyez déguisé en quoi? Sincèrement, Naruto, ta gueule. Non, d'avance. Hein. Vous me voyez déguisé en quoi? En vrai, t'as pas trop besoin de déguisement. Arrête, tu me fais chier. Hein. En clown, ouais, c'est bien. Ours! Ah, ouais, mais non, ours, c'est pas Halloween! Zombie? Frankenstein, c'est vrai, c'est trop mal. Et JP, vous le voyez déguisé en quoi, JP? Ah, nature peinture. JP, y a pas besoin, il est déjà déguisé, JP. Il tend juste les bras vers l'avant, il marche un peu en boitant et il crie. Ça passe trop comme. Putain, JP. Putain, JP. Ah, il est où? JP! Allez, bah, là-bas. Tu vois, t'es en train de faire la même erreur que tout à l'heure, t'es pas à mes côtés. Merci beaucoup, frérot, pour ton prime, merci du fond du cœur. Merci, mon ref. Tu partis à ma belle voile et après, je vais être à tes côtés, gros. Tu voudrais. C'est quoi tous ces trucs? Regarde, y'a plein. Ah ouais! Il faut quoi pour ça? Ah, il faut une clé. Ça, c'est la daronne. Non. Allez, barrage quitte. Et pousse-toi, mademoiselle. Non, JP, sincèrement, tu vas te déguiser ou pas? Non. Et pourquoi? Parce que.
Non, mais prof, je vais pas le jeu. Oh, mais de l'argent dans un déguisement, moi. Oh, mais frérot, mais attends. Mais non, t'es pas obligé de te déguiser, en plus, mais, un tout petit peu de maquillage. Mais frérot, tu te rends compte de ce qu'il dit, là? Oh, il a dit, je vais pas mettre de l'argent pour un déguisement. Oh, tu mets bien de l'argent sur des clopes. Mais attends, ouais. Je fais ce que je veux, non? Mais oui, mais justement, mais ça te coûterait rien. C'est un déguisement, c'est quoi? C'est 15 oui, euros. Bien sûr. Pourquoi tu veux pas te déguiser? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Non, en vrai, regarde. Regarde, tu prends un vieux t-shirt à toi, un vieux pantalon, tu fais des trous dedans. Voilà. Des trous. Mais de toute façon, on va lui ramener quelqu'un, on va lui ramener une fille à la maison et à la villa et Une elle va te maquiller. maquilleuse, ouais, une Ouais. maquilleuse. Vas-y, on va faire ça, JP, d'accord? De toute façon, t'as Il pas le va choix, faire une séance. Ouais, si c'est une meuf, t'inquiète, tu vas faire une séance de 5 heures de maquillage. hein. Ouais, c'est bon, je me casse, Non, c'est non, bon, je me non, casse on les l'a rien dit de couilles. mal, Il mais est préférable JP! d'aller streamer tout seul. Mais non, mais JP, on l'a rien dit de mal! On n'a rien dit de Allez, je mal! comprends pas que quand l'autre fils de pute, hein, l'autre fils de pute, hein, je dis bien l'autre fils de pute encore une fois, gros, t'habites à la Condamine. Et quand il stream, je le laisse Moi. tranquille, je fais pas un truc, mais lui, Mais j'ai il rien vient de dit me casser les de boules, les mal. boules, les jaunes. Oh, suce-moi la bite au lieu de me casser les couilles! Sale putain là! Les quoi? Les bornes? Ah, de toute façon, j'arrête de t'embêter. Je vais y aller, JP. Je te jure, désolé. Je m'excuse. Il a voulu dire, boule et burne en même temps. Il a dit les bournes. Oh, si jour que je fais une crise cardiaque, elle ne m'appelle même pas les secours. Hein. Ouais, t'as vu. Non, 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 non. Ah, Non, le bah non. seul qui fait des crises cardiaques, il est en haut, c'est un gros lard. Non, vraiment, JP, non, sincèrement, t'es vraiment cardiaque ou pas, sincèrement? Non, Ah, mais heureusement quand alhamdoulilah. tu peux nous en dire plus sur ta crise cardiaque d'hier soir? S'il te plaît, Vas-y, dis-moi. moi, je me suis justifié tout à l'heure, c'était pour faire réagir C'était BK. quoi? C'était un épisode de Demain nous appartient? C'est quoi ça, demain nous appartient? C'est les mini-séries mal jouées sur TF1. Il nous a fait un fake malaise. Putain. JP, s'il te plaît, rejoins-moi un peu le partir loin là, s'il te plaît. S'il te plaît, JP, comme ça tu meurs pas là, s'il te plaît. Faut vraiment qu'on essaie de faire un top 1. On a jamais fait un, ça fait Mais longtemps t'es qu'on n'a pas même fait un pas top dans 1 la ensemble. zone, connard. Ben oui, mais j'arrive, mais ça, rien ne t'empêche de m'attendre un peu. Tu viens me voir, tu cours vers moi, comme ça on se rejoint. Et comme ça on est peinard. Ah, tout le monde veut me frapper. Le Naruto, il mérite des grosses droites dans la bouche, la vérité. Oh, j'ai une solution pour tes boutons. Excuse-moi, ma Ah, vas-y, guésante. oui, dis-moi. Savon au lait de chèvre pour les boutons. Attends, savon de quoi? Au lait de chèvre. Oh, frérot, je suis en train de te parler sérieux. Ah non, sérieux, sans blague. Voilà. Sérieux? Ouais, sérieux. Attends, ça, répète, savon de chèvre. Ouais. C'est qui t'a dit ça? Je sais pas. Savon au lait de chèvre. Non, c'est vrai? Parce que là, je Ah commence à ouais. avoir des stars sur le front. Hein. Bah. Enfin, c'est des petits, mais tu vois, ça commence petit, après ça commence, c'est gros. Mais attends, mais JP, le sniper, c'est à moi! Et vas-y, fais du bruit, allez, vas-y. Allez, viens, JP, viens, on y va. Ah, là-bas, les barils. Ah, et puis même, JP, imaginons, vas-y, on va dans ton sens. Imaginons que. Vas-y, voilà, tu. Mais tu fais quoi, JP? Ah oui. Ça, c'est pour moi, ça. De Du quoi on coup, va dans ton sens, quoi? du coup, ouais, imaginons, voilà, on part dans ton sens, tu veux pas te déguiser. Très bien. Ah, pas de souci. Mais, si tu devais te déguiser, tu te déguiserais en cas. Ah, rien du tout. Non, mais En si! moi-même. Comment ça, en toi-même? En moi-même, c'est tout. Écoute, est-ce que tu veux que pour la soirée d'Halloween, on fasse venir des meufs à la villa, oui ou non? Peu importe, je m'en fous. Attends, c'est quoi la femelle... Nah. La femelle du vampire? C'est quoi une vamp... vampirette, non? Vampirette. Bah, je sais pas comment ça se prononce. Un vampire, hein. Une vampire. Tu veux pas qu'on te ramène une vampire ou Bah. Non? Non. Bah quoi, je suis pas drôle. J'ai pas envie de me déguiser, j'ai pas envie de me déguiser, hein. C'est. Ouais, mais Il y si a un mec dans le toi. chat, il t'a dit comment tu vas depuis ce matin, c'est Lil Pump du live de Lisa. Non, ça va. C'est qui Lil Pump? Ça va très bien.
Pas d'être un quarantenaire un peu cabossé. De quoi? Ferme ta gueule, gros. D'accord? Parce que si tu traites tes abonnés comme ça, voilà, vas-y. C'est toi qui parles! Tu les insultes tous les jours, frère! Attends, c'est toi qui dis ça! Tu te mets des CC! Non, j'y m'attends! Attends, sincèrement, mais c'est toi qui dis ça, là! Bah, mais l'autre, quarantenaire cabossé, il n'y a pas 40 ans déjà, très normalement. Je rigole, là, ça va, c'est une blague. C'est bon, tu rigoles, c'est une blague. Va te faire enculer, gros. Une vampire, d'accord. Comment que c'est, ça va? Alors ça, c'est le mien. Merci. Oh, une vampirette, c'est pareil, vous avez compris le sens. 32 personnes qui est... Oh, personne. C'est pas grave. Vous êtes pas loin d'être pas là, pas loin d'être pas. Vraiment pas manqué. Non, Box, je hein rejoins pas. Coucou Manto. Ouais. Bah oui, je vais faire la campagne. Je vais pas faire la campagne ou quoi? Ah, demain, je la fais, la campagne MW2. Hein. Oh, attends, ils ont pas dit à quelle heure on pourrait télécharger le jeu? Non. Mais il sort quand le mode online? Le 28, justement. Mais le 28, JP, le 28, tu veux pas faire un 24 heures, toi aussi? Ouais, ça va être chaud, quoi. Ah, mais pas, non, ouais. Mais pas uniquement sur le jeu. Pas uniquement sur le jeu de... C'est bon, JP! Wesh. J'avais une blague, mais après, on va dire que c'est méchant. Allez, on s'arrache. L'autre côté! Vas-y, viens. Neko Twingo, j'aime pas les ce que tu viens de dire là. Complètement niqué de la tête, toi. Dis pas des termes comme ça, toi. Insulte-moi si tu veux, mais dis pas des choses ça comme. Merci Ultra pour ton sub. C'est qui t'a offert un sub? Ultra. À ce point, sors là ta blague Naruto. Attends, Ultra t'as dit? JP, comment il s'appelle? Ultra. Ok, Ultra, t'offres un sub à JP, faut que tu m'offres un sub aussi à moi. C'est obligatoire. Ouais bah les gars. Oh, vous offrez pas du sub à TK. Déjà parce qu'il m'a pas déban de sa putain de chat de merde. Et quand il y a quelqu'un qui t'offrira un sub de ton côté, il viendra m'offrir un sub. Là t'as intérêt, c'est obligatoire aussi. Non. Attends, c'est à toi de me déban. Non, je suis désolé, il y a débat là. Mais... Non. Ah, va niquer ta mère. Voilà. Oui, mais faut que tu... Voilà. Va niquer ta mère. Faut que tu me débannes en premier, ensuite moi je te débanne. Pourquoi ça serait oui, moi bien qui... Bien sûr, oui. Allez, pas enculé, gros. Alors... J'ai 43 ans, t'as 34 ans, gros, d'accord? Alors, je vous explique un truc. Pourquoi vous allez vous débannes, ok? Moi, je vais vous le dire. Parce que hier, JP, quand il a cut, il voulait te raid. Mais il a pas pu parce que tu l'as banné. Et toi, ainsi de suite, tu vois? Genre, si vous voulez vous raid, vous pouvez pas. Bah oui. Donc, c'est lui qui va faire le premier pas. Et en plus, tu viens de le dire, t'as 44 ans, donc c'est toi qui as la morale. Non, il a 43 ans. Allez, 43 ans. C'est toi qui as la morale, c'est toi le grand, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Moi, je suis une merde. Moi, je suis un adolescent, moi. Eh oui. Alors. Merci, Ophélie, pour ton sub. Comment ça s'appelle, Ophélie? Ophélie, s'il te plaît. Ouais. Elle t'a dit, je t'aime, JP. Non. Sérieux? C'est plus grand que... Oh, j'ai 16 mois. Ouais, 16 mois, purée. 16 mois. Sors ta blague, je vais rigoler. Ouais, mais si je la sors, elle va moins rigoler. Vas-y, sors là, vas-y. Tu vois, là je voulais faire un live 24h pour la sortie de Call of. Bah moi j'ai une idée. Attends, remercie tes 10 subs d'abord. Mais pourquoi je vois pas? Oh, merci beaucoup Jason. Pourquoi tu m'as offert 10 subs, la putain de ta mère? Enfin, merci beaucoup mon ref. Ouais, je viens d'insulter, frère. Non mais c'est affectif, c'est affectif. Merci beaucoup mon ref. Ok, je peux faire ma blague? Oui. En gros, tu veux faire un live 24h avec JP? Merci waouh. Moi je vais faire un live. Oui, t'as dit pour la sortie de Call of, je sais pas quoi là. Ouais, 24 heures. Du coup, j'ai une idée. Si tu veux, tu peux même faire 48 heures. Mais à une condition, il faut que tu ramènes Lisa. Je te jure, il peut même faire 50 heures d'affilée. Lisa? Ouais. Lisa. C'est la meuf de TikTok. Ah! Après, il a fait 5 heures sur TikTok. Viens, JP, viens, coffre légendaire, viens. Merci, mon ref, encore pour 10 subs. Hein. Oh, alors là, ça, je le prends. Double roquette.
Merci beaucoup, Jason, encore. T'as régalé, hein. JP, viens, s'il te plaît, viens. De quoi? Voilà, viens, t'es même pas dans la zone, fils de pute. Oh, t'as le... Hey, mais t'as le mot trop... T'as... Oh, merci beaucoup, Ultra. Ah bah tiens, quoi, Ultra, quoi, quoi. Ils m'ont fait un sub. Merci beaucoup, frérot. Maintenant, je veux que tu restes sur mon chat. Parce que JP... Ferme ta gueule, fils de chien. Parce que JP, il gagne plus que moi. Oh, c'est pas moi qui a donc gagné 12 000 balles le mois dernier, gros. Merci les gars, voilà, on a des amants. T'as gagné 12 000, j'ai gagné 4 000. Ou c'est qui gagne plus? C'est tu, bête. Vous gagnez beaucoup. Il gagne 4 000 balles, il est pas content. Attends, mais attends. Le... J'y vais. Il te reste combien sur les 12 000 que t'as gagné? Attends. T'as dit quoi? Il te reste combien sur les 12 000 que t'as gagné? Comment ça il me reste combien? Bah sur les 12 000 t'as claqué combien? Parce que la paye on l'a reçue quand? On va dire le 13, ok? Oui. Entre le 13 et le 15. Oui. Là on est le 19, t'as oui. Utilisé combien depuis? Bah pour moi 3 000 il reste... Et j'ai gardé 9 000 sociétés. Ok. JP? Mais quoi? Il te reste combien sur les 4 000? 900, pourquoi? Il te reste 900? Pourquoi? Ouais il est là. Mais... Attends. Sur les 4 000. Ah oui, non, oui. Bon, ouais, c'est oui. Oui, j'ai rien dit, c'est vrai. Y'a rien de mal, je te pose la question. Pourquoi tu t'énerves? 900. Et alors? Mais j'ai rien dit, frère! JP! Léo! Oh, bah ferme ta gueule! Ah! C'est pas. Eh, mais j'ai rien dit! Moi, déjà, il me casse les couilles pour demander. Ouais, il te reste combien? Nanana. Oh, je paye des trucs, moi. Ok? Je t'ai rien dit. Attends, voilà. Il a dit quoi? Je fais des trucs. Tu fais quoi comme truc, JP? JP, tu fais quoi comme truc? Mais quoi? Tu fais quoi? T'as dit moi, je fais des trucs. Je paye des trucs. Je les escorte. Non, alors là, c'est pas moi. Moi, JP, voilà, déjà, je paye ton téléphone. Je paye tous les téléphones de chez mes parents. Quoi? Je paye mon téléphone. Attends, tu payes mon téléphone à je sais pas combien que pour aller ah, frérot, je vais héberger toi Safine. Je te râle pas gros. Tout le loyer. Tu dis les escortes gros. Déjà il y a ça et déjà je paye tout plein de trucs. Et en plus t'es rien demandé frérot. Et c'est le jour où tu m'as acheté le téléphone, t'as pris le forfait avec, je t'ai dit je le reprends moi, tu m'as dit non t'inquiète je te paye. Bah okay. Oui, je l'ai dit, mais j'ai rien dit de... Ah bah voilà, je sais pas, tu dis tu me payes le forfait, frérot. Bah ne dis pas que je paye des escortes, gros, c'est pas parce que j'ai payé une escorte que ça y est, j'ai payé tous les mois des escortes. Maintenant, vous allez arrêter là-dessus, parce que ça fait partie de ma vie privée, mais vous savez pas c'est quoi la notion de vie privée. Bah maintenant, quand je vais savoir un truc de votre famille, je vais le dire enfin live. Mais c'était une blague, mais tu prends vraiment mal. Ah vas-y, bah là, après mon live, d'accord Chirac? Après mon live. Le... Last ending, ah, y'a plus de musique. Non, c'est franchement un JP, 4000 balles par mois, oh là, mazel tov hein. Il est riche, hein. Ah, oh là, tu es riche, hein. Riche la vie. Comme dirait mon père Allah, oh là, qui repose en paix, a dit, riche ou la mout. Attends, ne dites rien. Quelqu'un connaît la traduction? Allez, dans le chat. Allez, on va là-bas. Ouais, tu sautes maintenant, quoi. Voilà, les abonnés ont trouvé. Viewmer. Eich, ou la mout. Beaucoup trop de jaloux ici. T'as dit quoi? Beaucoup trop de personnes qui sont jaloux, quoi. Sur qui? Jaloux de qui? J'ai pas compris. Bah, que je gagne 4 pinballs par mois. Ouais, 4 pinballs, il est pas content. Mais alors? Non, mais les gars, non, frérot, non, là d'un côté ils ont raison. 4000 balles, il est mais pas... dans les. 4000 balles, il est pas dans content. On voit qu'ils ont. Vous avez raison, les abonnés. Ah, si. Oh. 4000 balles? Tu sais ce que c'est, 4000 balles? Le calcul n'est pas bon. 4000 balles, il y a 2000 euros de clope. Ah, oh, JP. J'aimerais faire un truc, mais je sais pas si je dois en parler en live. Vas-y, dis. Mais moi, je suis JP, je suis toi.
Normalement, tu demandes 2000 euros à TK. Il les mérite. De quoi? J'ai une question. Normalement, il devrait te donner 2000 euros, TK. Moi, je dois donner 2000 euros à JP? Ouais. Vas-y, dis-moi pourquoi. Hey, tu sais quoi? Donne-moi une bonne raison de lui donner. Vas-y. Parce que tu gagnes 12 000. T'as Non, gagné combien? non, T'as gagné combien? Vas-y, non, dis-moi pas, t'as non, gagné mais combien ce mois-ci? attends, On se attends, dit attends, attends, vraiment. attends, non, mais on s'en fout, attends. Ça, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Tu me dis, ouais, parce que j'ai gagné 12 000. Non, frérot, donne-moi une raison valable de lui donner 2K. Une raison valable. Valable, hein. Ok. Ah, Il tu est réfléchis triste. trop. Viens, JP, viens. Il y a encore deux coffres là. Vas-y. Pourquoi il parle H24 de salaire de Naruto? C'est un fantasme ou quoi? Il a pas tort. Je parle jamais de salaire, frère. Carrément, Si. c'est même pas moi qui a lancé le débat. Ah, C'est lui qui a lancé le débat. c'est toi qui as lancé le débat. Oh, le Hein? culot! Mais c'est toi qui as lancé le débat, ça. Tiens, tiens, JP, Mais tiens, c'est tiens, prends ça. JP, va te faire foutre! Moi, j'ai rien demandé à personne, frère. Attends, c'est quand ça t'arrange, bordel, hein? Quoi, c'est pas une tare, hein, de savoir combien on gagne. Moi, personnellement, c'est pas privé, hein. Je m'en bats les couilles. Ouais, mais bien sûr, on s'en bat les couilles. Mais le problème, c'est que. De quoi? Après, ça fait polémique? Oui, Bah. les gens, tu connais la langue des gens. La langue, on appelle ça la Non, langue. bah. On l'appelle. Ouais, mais bon, il y a des langues de vipères, des langues de putes, comme on les appelle, Voilà. partout, gros, Ça hein. va commencer à dire, ouais, mais moi, c'est pas normal. D'un côté, ils ont raison, hein, mais. Ouais, Ouais, c'est pas normal. moi, ma mère. Non, mais attends, laisse-moi finir la phrase. Oui, moi, ma mère, elle se lève à 5 h du matin, nanana, elle gagne 1000 E. Et alors? Mais comment ça, et alors? Oui, il y a une partie de vérité, frérot. Ah mais ça, t'as vu, ça c'est. Frère, j'ai mes propres parents, ils travaillent, frère, ils tuent 1003, et toute leur vie ils ont travaillé, ils ont tué 1003, frère. Je travaillais au chantier, je gagnais 1003. Ça, c'est un truc, ça dépasse tout le monde. C'est. Frère, ça c'est un truc, c'est trop. Il y a eu un. Je comprends ces gens, tu vois. Il y a une part d'injustice. Bien sûr, parce que j'étais Il à y a une part comprendre. d'injustice, Ouais, tu mais vois. lui, ouais, mais C'est-à-dire t'as. que même moi, je le ressens. Bon, moi, je gagne pas les Ouais, mêmes mais trucs que vous. attends, tu dis là que par exemple, là, on gagne 4000 balles. Ouais. Ouais. Ouais, ok, je gagne 4000 balles. Mais est-ce que ils ont regardé que pendant 6 ans, je touchais 0 euro? Mais non, On s'en mais fiche c'est. plus. Mais Et on parle pas de toi. il n'y a pas de. Non, Mais non, non, mais non, est-ce mais. qu'ils ont Non, mais. regardé, soit moi, Non, mais soit il y a les autres zéro. personnes qui ont débuté, que ça n'a pas fleuri directement? Ouais, on a des Mais premiers streams, on non! a gagné 4000 balles, Mais t'as quoi. pas compris, là, il y a zéro rapport. C'est comme si je te Ouais. disais, moi à l'époque, je travaillais en boulangerie, tout ça, mais non! Là, on te dit Ah si, il y a des aujourd'hui. rapports. Mais. Oh, Ah si, on te c'est... dit aujourd'hui, voilà, pour ce qu'on fait, on est surpayé pour ce qu'on fait. Voilà, c'est ça le message en fait. De Ah, quoi? c'est. Ah bah, si tu vois que je suis surpayé, bah, il y a ta communauté d'arrêter de donner des subs, Mais non, mais. hein. Mais toi, Si tu t'en. Mais trouves que je lui! suis surpayé, Mais ouais. non, mais t'as pas compris. En fait, c'est ça leur message. Ils disent, voilà, pour ce que vous faites, un exemple, tu vas comprendre la métaphore. Tiens, JP, tu fais du Fortnite. Je trouve, pour ce que tu fais, t'es surpayé. C'est ça leur message. Super. Oh. Non, Leur message. en gros, moi personnellement, déjà, moi, tu vois, en connaissance de cause, tu vois, ça, je sais que. Moi, je touche pas à des sommes de malade, hein, je touche pas comme eux, tu vois. Mais bon, ça m'arrivait de faire des OP où je dois parler, genre, d'une marque pendant, genre, Voilà. 30 minutes et Voilà. gagner le salaire de mon père Voilà. en parlant Ça c'est d'une vrai, marque de ça c'est 15 vrai, minutes. ça c'est vrai. C'est vrai, ça reste hallucinant. Et je vois mon père se travailler. Tous les matins se lever, taffer, et moi j'ai parlé 15 minutes d'une marque, j'ai gagné son salaire. C'est vrai que le monde il est bizarre, frérot. Ouais, mais n'oublie pas qu'un mec comme nous, lambda, ben on va pas te parler de moi ou de TK, un mec lambda qui gagne 4000 balles, n'oublie pas que s'il fait du YouTube, ben le monteur a payé, le mini maker a payé. Non, après, c'est sûr qu'il y a des frais. Ben Ça, des frais. N'oublie il y a des pas que frais. s'il a une société, eh ben il y a les frais de l'ISF à payer. C'est vrai qu'il y a Enfin, il y a énormément de choses à beaucoup, payer. beaucoup, beaucoup de trucs à payer. Oui, mais quoi qu'il arrive, il te reste de l'argent. C'est ça le. Il traite de l'argent. Oui et non, hein, ça dépend ce que tu fais avec ton Bah argent. ouais, bah justement. Hein. Voilà. Tu peux aider, si tu peux aider n'importe qui, hein, tu peux aider tes parents, tu peux aider. Voilà. Merci pour ton sub. C'est qui t'a offert Après le toi. sub? C'est Naruto Je Sekiro? j'ai pas regardé. Eh ben. Hein? C'est
Manqué dit Toto. Merci beaucoup, Manqué dit Toto. Tu peux passer sur moi-même, lâcher un sub aussi. Oh, ta gueule, tu gagnes 12 mètres, vas-y, nique ta mère. Allez, hop, c'est bon. J'arrête, j'arrête. Je te jure, j'arrête, JP, j'arrête. Voilà. J'arrête. C'est bon. Là, tu me casses les couilles. Non, JP, viens. Viens, c'est bon, viens. Allez, attends, il a quitté Discord. Mais attends, il va revenir. Il se vide un peu la tête. Quoi, il a quitté? Ah non, il a pas quitté. Non mais merci pour JP, merci. J'aime bien le faire chier. Eh, c'est ouf comme il quitte pour rien, frère. Hein. Mais non, vas-y, bref, vraiment, puisqu'on parle un peu de sous et tout ça. Vous, sincèrement, les abonnés, pour vivre bien, ça veut dire payer votre loyer, manger, et de vous accorder de temps en temps un petit week-end, un week-end à un resto. C'est combien pour vous pour vivre convenablement? Pour vous, c'est quoi? Sincèrement. 2000, 2K minimum, d'accord? 1500, 2000, 2000. Il y a beaucoup de 2000. Hein. 2000. Et même, et je te mens pas, je te trouve qu'aujourd'hui, même avec 2000, ça, tu vis pas, frère. C'est où c'est dur. Frérot, 2000 euros aujourd'hui, c'était un loyer. Après, ça dépend si t'as un loyer et tout, tu vois. Mais 2000 euros, tu m'as dit si t'as un loyer. Et allez, on va dire que t'as un loyer, tu payes 600, 650 euros par mois. T'as les charges. T'as l'essence, t'as l'assurance, t'as les courses. À la fin, les 2000, frère, il reste pas grand chose, hein. Ouais, mais. Tu parles pas dans le vent. Moi, je. Alors, ça veut dire pour toi, vivre convenablement, c'est au-dessus de 2000. Ça veut dire 2500, 3000 euros. Ouais. Ouais. Je te mens pas, ouais. Vivre convenablement, c'est. Moi, pour moi, c'est entre 10 et 11 000. Quoi? Ah, ouais. Pour vivre convenablement, oui. 11 000, c'est tu vis vraiment convenablement, quoi. Oui, il abuse. Attends, t'abuses là, hé, chacal. Attends, abuse, ah, mais non, mais le pire, c'est qu'il est vraiment sérieux. Bah, quoi? 10 000, 11 000 euros pour vivre convenablement. Ouais. Bon, alors là... Tout ce que je voulais faire, ouais. Les gars, ouais. Je ne suis pas avec lui, hein. De quoi? Mais de ce que tu veux dire. En vrai, 2003, 2004, allez. 2003-2004, tu vis bien. Voilà, ça y est, 2003. Voilà. Vivre convenablement, tu vois. Non, JP. Genre, sans souci dans ta tête, genre en mode, de, ouais, à la fin du mois, c'est... JP, 2300 et 2400, c'est suffisant, non? Non, pas assez. Ah, pas... Tu dis sans souci dans ta tête. Tu dis coupe-moi perso ou... Non, après, ça dépend. Si tu veux aider quelqu'un... T'aides. Oh, attends, elle, toi, tu ramènes tes fesses quand ça t'arrange, toi, bordel de merde. Oh, c'est normal. C'est normal ce que tu dis. 3000 euros, Jaoued, à Paris, tu fais rien. Mais c'est normal. Si tu payes un loyer à 2000 balles, c'est normal. Paris, mais t'es... Oh. Oh, Miss Gave... Après, convenablement, ça dépend le mot, tu vois, convenablement... Ça dépend. Mais c'est vrai que pour moi, ouais, minimum 3000. Parce que frère, si t'as un appartement, t'as une voiture. Rien que l'appartement, la voiture, c'est beaucoup. Les courses. Là, je parle si tu vis seul. Hein. Je parle pas pour les gens qui vivent chez papa. Naruto, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais en fait, regarde, je vais te poser une question. Toi, ton assurance de voiture, tous les mois, tu payes combien? Ton assurance. Ça dépend, 50, on va dire. 50. 50 balles? Ouais. Parce que t'as pris le truc le plus cher. Non, ouais, bah après, quand t'achètes une voiture un peu propre, tu vois, Voilà. Donc, même tout ça, faut prendre en considération. Bah, quand en vrai, tu sais, le forfait téléphonique. Mais quand tu sais que tu roules pas beaucoup, etc., et que t'as une petite voiture, et que tu dis, vas-y, tiens, je vais prendre le gros prix, c'est normal. Au lieu de payer 50 balles, je suis sûr que tu peux payer 25 ou 30 euros ton assurance. Et je suis sûr. Ouais, mais... Et je suis sûr. Okay. Attends, mais j'ai pas fini. Dans ta propre, moi, dans ma propre banque, moi, si je m'assurais, moi, j'ai des bons tarifs. Tu vois, dans ma propre banque, au lieu de payer, je sais pas, 70 balles, je paye 10 balles, 15 balles le mois chez ma propre banque. Mais tout ça, vous prenez pas en considération. Vous prenez des forfaits téléphoniques. Parce que un tel m'a dit c'était pas cher, ah mais parce que c'est bénéfique, ah mais c'est ça. Mais voilà, parce que vous, en fait, vous vous foutez dans la merde tout seul.
D'accord ? C'est comme le mec qui touche 1200 balles, 1300 balles, qui va se dire, allez, hop, j'achète un... Un quoi ? Voilà ! J'ai acheté le dernier iPhone parce que... Ok, des fois c'est vrai, il y a des disproportions. Ah, parce que voilà. Donc le gars qui gagne 1200 euros, il a pas le droit de vivre, on va dire, un peu correctement. Mais... Attends, il a le droit de gagner 1500 balles, il va acheter le dernier iPhone, machin, chouette. T'arrêtes tout de suite tes conneries là, d'accord? Il gagne 1200 euros. Non, je suis pas d'accord. Il gagne 1200 euros et t'es en train de dire au mec, va te faire plaisir. Non, c'est comme ça que les gens se foutent dans la merde. C'est comme ça. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? C'est le découvert. D'accord? On le touchait 1002 pour recouvrir son découvert. Il va lui rester 1000 parce qu'il est à moins 200. Et donc quoi, ces gens ils doivent vivre comme des chiens? Non, ça... Mais non, c'est pas comme des chiens. Non, convenablement. Je suis pas d'accord, moi, attention hein. Bah les gars, ne vous tenez plus, vous devez travailler, dormir, manger et pas vous plaindre. Voilà, gros. Attends, t'as dit quoi toi? Bah ils peuvent manger, dormir, pas vous plaindre, dire je peux pas sortir parce que j'ai pas d'argent, puis machin chouette. Ils ont le droit de vivre, les gens. Mais pas au-dessus de leurs moyens. Quand tu touches 1200 euros, tu payes avant de manger, tu payes tes putains de factures, d'accord? Mais encore une fois, on revient aux factures. en fait, regarde, il y a des gens qui vont se prendre la tête, ils vont dire ouais, mais moi je peux pas arrondir mes fins de mois parce que je paye trop cher mes factures. Mais frérot, c'est normal. Si tu payes ton forfait téléphonique 60 balles par mois. Et quand tu lui dis pourquoi tu payes qu'un truc par mois, il va te dire ah ben moi j'ai besoin de la connexion internet, ah mais j'ai besoin de... Alors qu'il peut s'en passer. Il peut s'en passer. Alors voilà, tu vois, c'est les gens qui se foutent dans la merde tout seuls. Les abonnés, j'ai... Attendez, les abonnés, j'ai raison ou j'ai pas raison? Non mais attends, mais en fait, toi tu pars sur un truc qui n'a aucun sens. Genre, si, bien sûr que le mec qui gagne 1200 euros par mois, s'il a un forfait à 60 balles, etc. C'est qu'il a rien compris à la vie, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est pas ça. Moi, là, tu parles d'iPhone, etc. Bon, vas-y, ça, c'est un autre débat. Les mecs qui vivent avec... Ils ont 1200 euros et qui vivent avec des trucs de ouf, tu vois. Qui vont acheter de la marque. Ouais. Ils aimeraient parce qu'ils ont envie de se faire plaisir, les pauvres. T'as vu, d'un côté, ils veulent se faire plaisir. Du coup, ils se mettent un peu dans la merde pour se faire plaisir. Mais au final, quoi qu'il arrive, c'est que des problèmes. Bah voilà, c'est que des problèmes. Là, si on parle... Si on parle de quelqu'un qui gagne genre 1200, 1300, mais... vas-y, fils de pute, là. 1200, 1300, mais genre... sans se faire plaisir, genre. Il a juste un appartement, une voiture. Bah, il vit pas, frère. Il vit pas, gros. Désolé, il vit pas. Oh, si c'est tout pour trimer dans ton travail. Faut pas savoir payer tes factures, ok. Justement, faut savoir payer tes factures. Il te reste presque 200 balles par, dans le mois pour pouvoir bouffer. C'est pas vivre. Moi, je suis désolé. Ah, dommage. Non. Moi, je suis désolé. Moi, je te dis la vérité. Et tu sais, moi, je te dis ça parce que, moi, je regarde. Quand j'avais mon appartement, je payais 600 euros de loyer. Tu vois ? Je payais 600 euros de loyer. Je touchais genre 1003, on va dire. Attends, je fais une pause. Je travaillais au chantier. Je touchais 1003. Je payais 600 euros. J'avais l'essence à mettre. Du coup, tu mets l'essence, frérot, tu toutes les... C'était à l'époque où l'essence, t'as vu, elle était chère, c'était l'époque des gilets jaunes et tout. Donc t'as ça, t'as les courses, t'as l'essence, t'as... Je te jure que à la fin, t'as plus rien, frérot. Et il suffit que par malheur, t'as un imprévu. Vas-y, allez, tu prends une amende, vas-y, t'as pas payé le parking, tu viens, tu prends 35 euros d'amende. Ou je sais pas, tu te fais flasher, tu prends 90 euros d'amende. Ou je sais pas, ta voiture, elle a un souci, faut la réparer. Héros, ça va trop vite. Moi aussi, je vais parler en connaissance de cause. Parce que moi, si je vous écoute parler, c'est... Bref, je sais qu'on est dans un pays, on est surtaxé. Tout ça, il n'y a pas de problème. Tout ça, oui. Moi aussi, j'ai une histoire. Moi aussi, j'étais boulanger pendant 8 ans. Je touchais 1180 euros par mois. Je commençais à 3h30, 4h du matin. Et je finissais à 13h. Midi et demi, 13h. D'accord? J'avais mon salaire tous les mois. Je participais à la maison. Je donnais à peu près 450-500 euros par mois à la MIFA pour le truc, d'accord? Il me restait mes... comment on appelle ça
Il me restait 500 euros, 600 euros. À l'époque, je me rappelle, j'avais une voiture moi aussi. J'avais une Ford Escort bleue. Une essence. D'accord ? Je payais aussi mon essence. Je payais mes factures de téléphone. Et que, wallah, et wallah, hein, il me restait toujours 300 ou 400 balles par mois. Parce que tu parles d'une époque où payais ton café 30 centimes, ta baguette 50 centimes. Je parle d'une époque où je mettais pas forcément le plein, parce que moi je faisais juste maison boulot, d'accord, avec les potes pour aller à la chicha, on marchait à pied, d'accord. Mon forfait téléphonique, c'était CSFR. Je payais 19,90€. Tu vois, c'était les forfaits. Vous voyez les forfaits de l'époque, SMS gratuit. Mais il fait quoi comme bruit là? Oh, JP! Espèce d'enculé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, mais j'ai pas fini. Tu vois, c'était les forfaits appel et SMS illimités le week-end. Uniquement le week-end. Tu vois ce que je dis ou pas? Selon la semaine, je devais faire attention à mes textos, parce que j'avais le droit à 100 textos par jour. Enfin, tu sais, c'était des forfaits bizarres. Mais voilà, mais je payais 19,90€. Ouais. Tu vois? Et voilà, j'arrivais quand même à me retrouver dans mes comptes. Oui. C'est vous. Mais Naruto. Ouais. Tu me dis, toi, tu me parles de l'ancienne époque. Tu me dis, l'ancienne époque, c'était pas cher. Mais c'est vous, la nouvelle génération, qui vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Vous voulez au-dessus de vivre le moyen. Pour 80 balles, t'avais un chariot plein au magasin. Aujourd'hui, tu fais des courses, t'as un chariot plein. Frère, t'en as pris pour 200 balles, ma gueule. Je te le jure. C'est normal. Tu veux ton pot de Nutella. Tu veux le Nutella et pas le Mutella. Tu veux ton Nutella qui coûte 5,90€, qu'une marque qui est pratiquement la même chose, il n'y a aucune différence, que tu vas payer 2€. Non ! Faut faire attention à vos dépenses, bordel de merde ! L'autre guignol, là, le tête de corbeau qui dit avec 11 000€... Ferme ta gueule. Parce que la tête de corbeau, il va monter dans ta chambre, il va t'en claquer une dans la gueule, que tu vas commencer à faire tête de corbeau. Vas-y, bref. Je te respecte, tu me dis pas tête de corbeau, fils de pute de sale chien, gros. Ça, par exemple, c'est un drama. Ça, c'est un drama. Bon, allez, mes prêts. Ah, c'est pas grave. Je réponds pas parce que... Après, on va me dire, Jaurès, t'as merdé, c'est ta faute, tout ce qui se passe dans la villa, c'est ta faute. Bon. Tu vois quoi, tu vas simuler une crise cardiaque encore? Mais malgré. Qu'est-ce que t'as appelé BK pour t'excuser? Non, j'ai pas appelé. Non, hier on a eu une discussion. Non, pourquoi tu remets ça sur la table? Naruto, c'est ça ton putain de fils de pute de problème? On était calme. Pourquoi tu me parles de BK? Laisse-le tranquille, Meskin. Il est avec ses parents. Mais pourquoi tu me ramènes BK sur la table? Laisse-le tranquille. Et laisse-moi tranquille. Là, je suis en train de te parler à ton pote, le tête de corbeau. D'accord? Voilà. Ouais, vas-y, c'est bon, je me casse. Mais la vie de ma mère, Naruto, la tête de ma mère, il vient de fumer une clope. C'est grave. Il a quitté la game, ce cochon. Là, tu vas chercher. Mais non, mais frérot, mais il est reparti, il filme une clope, là. Ah, mais là, c'était la tête de corbeau de trop, tu comprends? Tu l'as stressé, je sais. C'est un corbeau fumeur. Eh, tout à l'heure, le corbeau, tout à l'heure, quand il est venu à la villa, il a fait quoi? Bah, je lui ai donné à manger, on s'est posé un peu. Eh, j'ai réussi à lui toucher le haut de la tête. C'est vrai? Ouais. Quand je lui ai touché le haut de la tête, il a commencé à crier après. Je sais pas s'il était content ou s'il me disait ne me touche plus comme ça, genre. Mais ça, est-ce que des corbeaux ça mange, tu vois, de la viande et un peu de steak cru? Ouais, ben bah, t'as vu, quand j'avais commandé une assiette de kebab là, ça fait me ramener. Ouais. Il a mangé avec moi, je lui donnais du kebab et on mangeait à deux. Ouais, je savais pas que les oiseaux ça mangeait de la viande. Mais pas tous les oiseaux, tu vois. D'accord. Mais genre, on est grave devenus proches.
D'accord. Mais tu verras dans le prochain vlog. Là, j'ai tourné un vlog avec lui. Ouais. Avec le corbeau. Je te jure. À chaque fois, il vient devant ma porte, je lui donne à manger tous les matins et tout. Putain, fais gaffe, ça a pas de maladie cette merde là, non? Bah après, je me lave bien les mains, tu vois, quand je le touche. Et je sais pas, après, je sais pas. D'accord. Ouais, ça mange des insectes. Mais bon, ils ressemblent vraiment à JP pour le coup. Ah non, mais... Genre tout à l'heure, les deux, ils étaient ensemble sur mon balcon, c'était incroyable. Genre, je savais plus qui était qui, j'étais perdu. Oh là là. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Attends, viens là, toi, viens là. Quand on te traite de gros lard, là c'est grave, mais quoi? Mais frérot, je suis le seul streamer où je reçois full insultes. Trouve un streamer qui reçoit plus d'insultes que moi. Trouve un streamer qui banne moins que moi. Oh, tu te rends compte de ce que tu dis, espèce de taré ou quoi? Moi, streamer, j'ai des fake arrêts cardiaques. Salut John. Après, je sais pas les comment ils fonctionnent les bans. Hein. Pour vous, eh non, franchement les abonnés, hein, vous citez des blazes. Pour vous, la personne qui a le ban le plus facile chez les streamers FR, n'importe quelle catégorie, FIFA. Mais ouais, c'est sérieux quoi, c'est quoi cette question? Tout le monde sait c'est qui? Non, ça se trouve, franchement, ça se trouve, on n'est pas au courant. Mais c'est JP, t'es malade. Sérieux? Dans la CAC FR? JP, il a deux records, même plus. Mais déjà, il a le record de plus de pubs sur Twitch. Non, ferme ta gueule, voilà. Vous allez commencer à me casser les couilles. Je vais cuter mon live, ça va éditer. Non, pas ça, arrête, c'est bon. Non, c'est bon, commencez pas. On est là pour jouer, on est là pour divertir les gens. On n'est pas là pour dire de la merde. T'as raison. Allez, on va divertir les gens. Vous savez quoi? On va divertir les gens par votre niveau catastrophique sur Fortnite. Quand vous avez fait le truc des bans là, il avait combien d'abonnés bannis? Le plus gros c'était quoi JP? T'avais combien? Je crois un truc c'était comme, pas 10 000 le jour où on a fait le M-Ban Hall, le ouais, premier ouais. M-Ban Hall, 7000 et quelques, le tout premier. Non, 1700 des pushers. Mais non, le il tout avait premier, 7000 genre on a fait au login. 7000. Il y avait 7000 et quelques, oui. Mais attends, il y avait 6 ans de ban. Putain. Ouais, les packs, oui, je vais faire les packs après, promis, je vais faire les packs FIFA. Ouais, mais il préfère se faire insulter que de bannir personne. Merci beaucoup. Qui, moi? Ouais. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Je tolère. Hein, non, bah. On n'a pas de tolérance. Bah, si. On n'a pas de tolérance, c'est tolérance zéro. Bah, non. Oh, oh. Attends. Jure-le-moi qu'il a pas sorti la phrase de Nicolas Sarkozy, là. C'est tolérance zéro, mon gars. Mais t'es tolérance zéro, gros. Où qu'il y a de la tolérance? Bah, si. Ah, il faut de la tolérance, c'est... Bah oui, en fait, voilà, merci. T'as vu, t'es cassé ces petits oursans, ces petits nounours, et toi, faut que tu les vois comme tes petits bébés corbeaux. Des petits bébés corbeaux. Les petits bébés corbeaux. Faut que tu fasses des émotes de corbeaux. Non, ferme ta gueule. Mais bien vous faire enculer, gros. Et je trouve que dans ton chat, là je suis sur ton chat depuis tout à l'heure, et je trouve qu'ils sont très sages, les bébés corbeaux, depuis tout à l'heure. Ils sont mignons. Il a dit arrête. Ouh, ça rigole bien. Attends, j'espère qu'on a un merci cheval pour ton sub. Bon, cheval. Moi je vais cheval. Vous laisser. Ciao. Je vais prendre ma douche et je vais y aller. Je ne fais vous, un don vous entretuez pas. Il est toujours plaît. Pas arrivé. Ouais. Ah, c'est vrai. Je suis désolé, frérot. Attends, je vais regarder. Attends, tu vas rejoindre qui, toi? Je t'ai dit, il y a des amis à moi. La mère d'un collègue à moi, elle m'a fait un plat que j'aime bien. Elle veut que j'aille manger à la maison. La mère d'un pote? Ouais, Wallah. Non, je suis Wallah. D'accord. Elle m'a fait Hajaber Merguez, c'est des Tunisiens. Et elle m'a dit, Owen, ça fait longtemps, on le voit plus. Faut qu'il vienne, c'était son anniversaire. Putain,
tu viens et nous, on pue la merde, nous. Nous, je veux dire, on n'est pas invités. On sent pas bon, c'est ça? On est évité, gros. On est évité, bien par les JP. Là, je suis totalement. Là, JP, t'as sorti une phrase masterclass. Putain. Ouais, les gars, je m'en fous. Kaina va faire un couscous. De racheter de la viande et tout. On va même pas l'inviter. Elle a dit, franchement, il y a des merguez dans le couscous, c'est vrai ou pas? Il n'y a pas de merguez dans le couscous. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? La première fois que j'ai vu JP de ma vie, j'étais sur son live, il y avait genre 200 viewers et il y avait un débat. Il s'emboucanait avec ses viewers parce que les gens ils disaient ouais, il y a des merguez dans le couscous. Et lui il disait non, je suis Kabine, il n'y a pas de merguez dans le couscous. Pas de merguez dans le couscous. C'est la première fois, c'était genre il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans presque, hein? 4 ans? C'était non, il y a 4 ans. 4 ans, frère. C'est la première fois que je rencontrais JP, le premier jour. De rien. Un débat sur le couscous et les merguez. En plus, là, ça y est, c'est bientôt la Turquie là pour JP, non, apparemment, non? Janvier. Bonne janvier. Là, déjà demain. La radio d'Apologie, panoramique. Demain, on a rendez-vous chez l'ophtalmo. Pour les yeux là, parce que ça commence à me garder, avoir mal aux yeux pour rien. On va chercher tes nouvelles lunettes et cash après on prend rendez-vous avec toi. Les nouvelles lunettes, on va les avoir dans 3-4 jours. Hein. Pourquoi? Tu les as pas tout de suite, il faut qu'ils taillent les verres. Qu'ils taillent les verres et tout le bordel. C'est pas grave, au moins on fait le nécessaire. Ouais, ouais. Mais normalement, ils sont gratuits. Attends, tu n'as rien du tout. Ah, tu payes rien? Non. Bah, normalement, je pense que c'est. Là, il y a. Je suis 100%. Je paye rien du tout. D'accord. Mais parce que tu sais que Naruto, alors moi je sais pas si dû à quoi, parce que moi je suis pas parti me faire consulter moi. Tu sais que j'ai un œil, je te le jure, je suis pas fou, même dans mon chat des fois j'ai lis mal. J'ai un œil qui voit très très bien, il est net. Ouais. Mais l'autre il est flou un peu, j'ai l'impression, et je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que je dois me rentrer des gouttes dans les yeux ou aller me faire consulter, c'est quoi? Non, on va consulter. Ouais, mais va chez un psy aussi. Ta gueule! Oh, je suis en train de te poser une question sérieuse, la putain de tarasse. Je suis en train de te dire, je vois bien d'un œil et l'autre, je vois pas bien d'un œil. Oh. Bah, je sais pas. Tu peux avoir un œil qui est correct, qui fonctionne correctement et l'autre qui est feignant. Ça peut arriver. Il a dit quoi, lui? Répète. Tu peux avoir un œil que tu vois net, correct, et que l'autre œil, il a du mal à suivre parce qu'il est un peu feignant. Ah! C'est vraiment la branlette, tu devrais. Il y a des gens qui disent que c'est le diabète, ça peut se jouer. Ça peut se jouer le diabète. Le diabète. Ça peut jouer. En fait, le diabète, ça réduit la vue, genre en mode. Non, mais attendez, je suis pas aveugle, hein. Je vois bien, enfin. Mais je suis obligé de. Des fois, je passe en marqué, je m'approche trop de l'écran pour lire vos messages. Ouais. Mais tu passes combien d'heures par jour sur un écran aussi? Attends, c'est toi qui me dis ça, toi? Je passe combien d'heures? Même pas toi, même, mais par tout le monde. Tout le monde qui travaille avec un écran, il passe trop le temps sur l'écran. Frère, je comprends rien à ce que tu dis, c'est inaudible, frère, c'est incompréhensible, frère. J'ai l'impression que t'es en train de chier dans mes oreilles. C'est un fou de la calquer. J'ai rien fait, s'il te plaît, j'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, je te jure, quitte pas la partie, là, faut vraiment qu'on la fasse jusqu'au bout, là. Oh, Naruto, laisse-le tranquille, wesh. Ah mais frère, fallait lui dire à un moment donné, je comprenais rien, même son micro il est de mauvaise qualité. Non frère, j'en ai marre. Mais attends, mais ça finit, il t'a pas... Zakodi, ça finit, il t'a pas configuré ton micro toi? Non, il a quitté. Il est parti. Non, j'ai payé, non, j'en peux plus. Mais frérot, attends, mais non, mais qu'il aille se faire enculer, non, à un moment donné là. Oh, moi depuis tout à l'heure, je devais faire du FIFA là. Tout ça pour qu'il quitte la partie. Non, mais frérot, sérieux, t'entends-tu ce qui... Frère, je comprends rien. Mais il est casse-couille. Putain, dans ce cas-là, moi je vais sur FIFA, c'est ça pour qu'il quitte. Putain, mais il casse-couille ce mec-là. Putain. Attends, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, Zakodi? J'ai pas compris. Non, mais ramène-le, là, au moins qu'on fasse le 1v1 et moi je me casse. C'est chiant. Il faut à tout prix que tu prennes rendez-vous pour tes yeux, par contre. Moi? Ouais, non, sérieux, c'est pas une blague. Vas-y. Vas-y, je te donne le numéro d'un gynécologue.
Tu veux que je t'envoie le numéro d'un gynécologue? Ouais, t'attends. Non, mais moi j'ai pas envie de faire le placement de produit, hein. J'ai pas envie. Hein. Ah non, je sais ce que c'est. Non, non, j'ai pas envie. De quoi tu parles? Ah non, rien. Non, et je vais t'envoyer le numéro d'un gynécologue, tu l'appelles demain, urgent, pour t'aider. Y'a quelqu'un qui veut prendre le placement de produit à la place? C'est 4K, hein. Qui paye. J'ai pas envie. Je lui donne, hein. Quoi, quel produit? Quel placement de produit? Le truc des caleçons? Non. Tu l'as pas fait, le truc des boules? Quelle boule? Tu sais qu'ils m'ont contacté, tu sais la marque de caleçon là qui t'a envoyé des produits pour les boules là, des tondeuses et tout. Oui. Mais ils m'ont contacté aussi. Ah oui, moi j'aurais la faire celle-là moi. Et tu l'as fait quand? Il faut vraiment que je la fasse parce que je suis en train de me faire tirer les oreilles. Eh non mais c'est là frère. Tu sais que c'est un truc pour les boules? Les produits qu'ils ont envoyés? Ah c'est les, oui, les boules. C'est du déodorant pour couilles et tout, c'est pas une blague. Vas-y, dis-lui qu'il vient là. Oh JP! Merde. Attends, il est en live sur TikTok avec la meuf. Non, non, du moins que c'est une blague. Ah ouais, j'ai eu peur. ça sent bon, tu sens pas de la chambre l'odeur, la bouffe? Non? Hein? Hein? T'as dit quoi? Tu sens pas l'odeur de la bouffe? Ouais, c'est génial, on se fait manger. Ouais, mais t'as vu qu'on m'a fait trop bien manger? Moi, je kiffe. Ah ouais, je t'ai pris rendez-vous chez les gynécologues pour demain. C'est bon? À moi? Ouais, bah ouais, pour tes yeux, frère. Vas-y, ok. Bah, juste dis-leur, pas le matin. Moi, le matin, je dors. Vers ouais, non, c'est à l'après-midi. D'accord. Bah, vas-y, bah, ok. Bah, 11h midi, s'il te plaît, frérot. Ouais. Et tu me dis, ça coûte combien? Ah, n'oublie pas. Demain, parce que moi, si je suis pas là, t'as rendez-vous où demain? Chez les gynécologues. Parfait. Parce que, ouais, je te jure, vraiment, mes yeux. Attends, il fait quoi, Kevin? Je commence un petit bouton. Regarde, regarde, tiens, regarde, tiens, je commence à. J'ai le visage. Regarde mon visage. Regardez mon front. Ah, c'est l'arrêt cardiaque d'hier, ça. Putain, c'est comment ça doit venir. Oh, JP, là! Putain, s'il l'appelait, il répond pas, frère. C'est bon, il fait sa tête de mule. Non, mais il est casse-couille, moi, dehors. Moi, j'ai rendez-vous. Ah, mais va sur son live, s'il te plaît. Regarde sa tête de pierre, frère. Il ressemble trop à un corbeau, avec son tatouage et tout. Vas-y, moi, j'y vais, les gars, demain. Ah, attends, mais faut qu'il vienne. Oh, JP, viens, il est là, il est là! Oh, JP, vas-y, je t'ai invité, là. JP! Mais il m'entend pas! Ouais. Voilà, viens! Vas-y, en 1v1, et comme ça j'ai fini moi, comme ça je vais sur Fortnite, sur FIFA. J'ai des packs à ouvrir. Tu vas pas ouvrir des packs aujourd'hui, JP? Des packs? Des packs, oui, des packs FIFA! pas besoin d'ouvrir des packs FIFA. Il est trop beau le tatouage. Je t'ai invité, JP, vas-y, coco! Il ressort grave bien. Bah attends, ça se met. Je sais pas qui c'est peut-être d'ordinateur de fils de pute là. Oula. Tu vois, ah, c'est ça? JP! Ouais. Hey, TK, demain t'as rendez-vous où pour les yeux? Dis-le à JP. Au moins il s'en souvient. Mais ouais, mais c'est bon, je te l'ai déjà dit. T'as qu'à lui dire. Ouais, mais c'est dis-le à JP, comme ça il te le rappelle au cas où. Demain t'as rendez-vous où? Chez les Gilon. Ah putain, tout ça parce que je le prononce mal. Le gynécologue. Voilà, demain il doit aller se faire consulter, tu sais, son œil où il voit flou. Donc demain il a rendez-vous chez les gynécologues. C'est bon, JP, tu t'en occupes? Vas-y, JP, 1v1 là! Le gynécologue, c'est l'ophtalmo. Mais ferme ta gueule, bah, t'es trop con. Jure. Merci beaucoup, JP. Bah, nique ta. Putain. Allez, JP! Ah ouais, JP, s'il te plaît, laisse-moi créer mes touches là. Wesh. C'est inversé, j'ai les paramètres d'un mec gaucher. Oh, demain, Modern Warfare 2. Oh, ça va être quelque chose. Oh, t'as pris des bras de ouf, JP. J'avais pas vu ta cam. T'es en pleine cam, là, JP. T'es beau. Mais alors. Pourquoi ils vont voir du jeu? Oui, Zakodi, oui. Oui. Ah, tu sais que je... Oui, Zakodi, je suis là, oui. Dis-moi tout.
Je t'écoute, Zakoto. Allez, je me casse, je me casse. Allez, JP. Ciao. Les abonnés, c'est... C'est dans quoi? Attends, JP, hein. Paramètres, paramètres. T'es cas, excuse-moi pour tout à l'heure. Non, mais y'a pas de soucis, frérot, je t'excuse. Bien sûr, je t'excuse. Zakodi, pour les paramètres, je vais y sortir quoi? Vas-y, JP, c'est bon? Faut attendre. C'est bon, parce que là, j'avais pas lancé, désolé. 75 dans mon frigo. J'ai une tête 4K, s'il te plaît. J'ai une tête de frigo. Pourquoi ça se lance pas, là, sa mère? C'est pas la truc, faut pas que tu t'en rends, parce que comme hier, là, match privé ou je sais pas quoi. Bah, j'ai mis match privé, attends. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Non, Zakodi, tu voulais me dire quoi? Dis-moi tout, s'il te plaît. Tu peux dire au quoi? Tu peux dire au vieux d'être de bonne humeur et d'arrêter d'insulter car ma copine trouve qu'il est insolent. Alors là, tu lui diras toi-même. Non, 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 m'enlève ta copine. C'est Zakodi. Si c'est ta main gauche ou c'est ta main droite, j'ai rien à foutre. Ah, j'aime pas ce côté-là, putain. Allez, c'est parti, JP. Jusqu'au bout, hein, s'il te plaît. Hein. Faut que tu dises, c'est comme si c'était une mission. Faut que t'ailles vraiment jusqu'au bout de ta mission. Regarde beaucoup que tu vas. Vas-y, nique ta mère. Bah, tu veux que je fasse quoi? Oh là, c'est un ta mère gratuit que j'ai eu. Comme une pute, ça. Vas-y, campe comme une salope. Vas-y, campe comme une salope. Bon, commence à me gaver les couilles. D'accord, je campe pas, allez. Mais vas-y, c'est bon. Non, mais j'ai pas campé, tu me dis. Voilà, non, là, mais... ciao. Tu campes comme une pute. Mais j'ai pas campé là. Arrête, JP, t'abuses. Bon, ferme ta gueule. Commence à me gaver, c'est bon. L'autre, il m'a gavé les couilles là maintenant, c'est bon. Ouais. Mais regarde, mais je suis obligé de venir. Tu es obligé de venir. Voilà, tu te caches là-haut, t'es obligé de venir. Ah vas-y, nique ta mère. Bah, vas-y, tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, je le fais, je te jure. Juste dis-moi, je te le jure, JP, vas-y. Normalement, normal. Mais d'accord, mais le mot normal, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? S'il te plaît, je te jure, je le fais. Bah, tu te caches pas derrière les palissades là-haut. D'accord, ok, donc je me cache pas, donc je rush. C'est ça? Bah, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Voilà. Et ça rushait, gros. Allez, vas-y, nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Voilà comment tu joues comme une pute. Mais tu vas me casser. Ouais, vas-y, nique tes mots. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Ouais. Oh Marie, fais gaffe à toi. Mais t'es où? Ah, t'es où?
T'es où? Voilà, GG, JP. Ah non, non, non. Ah, j'ai pas envie de dire non, non. Oh non, parce que je vais m'en prendre plein la gueule. Oh putain, le barret de 50. Alors ça, JP... C'est sniper, hein. Longue distance, d'accord. JP. De quoi? C'est longue distance, hein. Ah oui, c'est un sniper. D'accord. Bien joué. Allez, vas-y. Il était beau celui-là. En pleine tête JP. Oh mon dieu. Putain, j'y croyais pas, je me suis ramassé la première balle. Et là, paf. Ça fait des chocs à pic. T'as un choc à pic ou pas JP? Hein? JP, est-ce que t'as un choc à pic? Aux pépites de chocolat. Allez, vas-y. Là, vas-y, respecte rien, j'en ai rien à branler. Mais là, mais j'ai rien fait là! Mais je tente des trucs! Non, tu tentes rien du tout, tu te caches comme une pute. Bon, d'accord, allez, vas-y. C'est ouf comment vous pouvez me faire rager, gros. Un jour, je vais avoir une crise cardiaque, mais maman. Eh non. JP, je te jure, non, non, par contre, no joke. Hein. T'es la personne vraiment. Même je pense. Vraiment, je le pense vraiment. T'as un mental ultra fort. Pourtant, j'en ai connu des gens, j'ai côtoyé des gens. Mais ton mental, il est au-dessus. De... Même du mien, je pense. Hein. Mais vas-y, mais pourquoi tu te caches? Putain, il devrait faire un truc. Que quand tu rentres dans ton de truc, dans le bordel là, tu meurs. Voilà, c'est tout. Je sais pas, je me cache pas moi, je suis dans le truc. Mais non, mais nous, le débile là, il est obligé de se cacher. C'est un fusil à pompe, hein, courte portée. J'ai jamais vu un pompe à longue distance, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Eh vas-y, arrête de te cacher, voilà. Arrête de te cacher parce que la prochaine fois que tu te caches, je me casse. Je te jure, voilà. J'ai juré là. D'accord. Donc je me cache pas. GG. Le quoi? Je comprends pas, pap, TK, pourquoi il joue encore avec JP? Avec JP, vas-y, nique ta mère, toi. Va niquer tes morts. Et commence pas à me gaver les couilles. Je comprends pas aussi que les modos, ils laissent ça comme ça. Allez, vas-y, dégage. Sniper, longue distance. D'accord JP, je suis obligé, un longue distance. C'est pas le barrette celui-là. Bah oui, mais c'est un longue distance quand même JP. Ouais, mais c'est pas le barrette. Je veux dire deux coups. Ah vas-y.
T'es où? Hein? T'as me trouvé. Bah ouais, mais Ok. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, tu te caches tout le temps. Hein. Oh non, mais c'est un sniper, JP! Mais tu te caches tout le temps! T'as pas compris! Ouais, vas-y, c'est bon, ça va bien qu'il t'aille mort, c'est bon. Fusil à pompe, courte portée, JP, hein. Bah va jouer avec ton jeu de foot. Mais non, mais t'as quitté! Non, va jouer avec ton jeu de foot, c'est bon. Sinon je vais péter un. Je vais péter un écran ou je vais péter un clavier, gros. Bah vas-y, bah viens, on va en réaliser les sticks. Non, non, c'est bon, j'ai quitté le jeu, commence à me gaver, c'est bon. Bon, ok. Bon bah JP, vas-y, bah. Là tu vas couper ou tu vas. Non, j'ai joué un peu Overwatch. Overwatch? Ouais. Ok. Bon vas-y, JP, bon live, hein. Ouais, merci. Merci beaucoup frérot pour ton abonnement niveau 1. Bon bah FIFA hein. FIFA. Je suis dégoûté. Au moins on aurait pu partir jusqu'au bout. Mais en fait pour lui je sais pas ce que c'est pas se cacher, pourtant j'ai rush hein. Allez c'est parti FIFA les gars. Vous pouvez changer la catégorie s'il vous plaît, enlever Fortnite et mettre FIFA. En fait il a même pas été dégoûté putain. Hey, sports, SN game. Allez, hop, synchronisation. Ultimate team. J'espère qu'il y a des beaux packs, hein. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ok, putain, il reste 100 crédits. Boutique. Ok. Parcourir, carte promo. Ouh. Aïe. Bon, bah les gars, on se fait plaisir. D'accord. Point FIFA. TK, on peut préinstaller. Non, sérieux? On peut préinstaller Call of Duty là? Oh putain, je sais pas quoi faire. Oui, qu'est-ce que je fais? Je commence par FIFA ou j'installe le jeu? Vite. Il a quoi ton compte Insta? Je banni. Un compte à 1 million d'abonnés banni. Oh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça fait rien. Installe. Bon, ok, j'installe. Ouais, j'installe et après je vais sur FIFA. Juste installe, je le télécharge, d'accord? Attends, je sais même pas si. Je sais même pas si je l'ai acheté. Attends, on va voir. Ma chaîne est là. Mais non. C'est celui-là? Ah non, c'est marqué bêta! Ah! Oui! Oui! Oh oui!
demain. Oui. À demain, oui. Ah, merci beaucoup, Maz. Ah, vous pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait. Oh, j'arrêtais pas de... J'arrêtais pas d'en parler. Putain, enfin. Donc là, faut... Attendez, hein, attention. Hein. Ça, c'est uniquement le campagne. Hein. Le solo. Donc on pourrait y jouer demain. On va découvrir un peu le solo, à quoi il ressemble. Et voilà, ça va nous donner des aperçus sur les armes qu'on aura en multi. Et c'est cool. C'est ce soir. C'est ce soir ou c'est demain? Demain 19h, ok. Bah si c'est demain 19h, bah c'est parfait. Bah, il y a déjà 13%, bah c'est parfait, je sors du PlayStation Store. Oh, regardez ma petite bibliothèque. Oh là, Modern Warfare 2, FIFA 23, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Black Ops 3. Oh là, j'ai que les meilleurs jeux. Allez, c'est parti. On va laisser le truc se télécharger. En tout cas, merci pour l'info, les gars. Vraiment, vraiment gentil. Ah, je suis content. T'es K Code 4 ouais, tout à l'heure, ouais. Déjà, je m'occupe, ouais. Bah, reste avec moi, Devil. Comme ça, on squatte le jeu tout à l'heure, on le saigne. Ok. On va mettre encore 100 balles. Tout ça pour se faire arnaquer. Ouais, tu te donnes à manger ou pas ? Pardon, Kaina ? Est-ce que tu veux manger maintenant ou pas ? Ouais, je veux bien. Merci, Kaina. Ah oui, je pourrais avoir deux canettes ? Merci. Alors. Allez, c'est parti, les gars. On ouvre les packs gratuits, là, vite fait. Juste ça, déjà. Hein ? Mais pourquoi j'ai une carte de bronze, moi ? Oh, mais c'est de la merde. Ça, ça dégage. Je pensais que j'allais voir un truc bien, mais... Ça, c'est quoi, ça ? Wow, comment ça bug ? Wesh, qu'ils... Ah, oh. Ok. Je préfère commencer par ça. Ok. C'est parti, les gars. On fait des achats. Allez, allez. Mise à jour des éléments. C'est bon. Oh. Ok. Plein de cam. Point FIFA. Je vais mettre 100 balles. Achat. De paiement. Ok, c'est parti, les gars. Ok. Oh, Devin, merci beaucoup, frérot, pour les 5 subs offerts. Let's go. Les gars, il nous reste combien? Il nous reste combien avant d'atteindre des 30, s'il vous plaît? 350. Allez, c'est parti, les gars. On commence par le pack à 350. Allez, parmi tous ces packs, les gars, parmi tous ces packs, je veux au moins 3 animations, Inch'Allah. 3 animes. Ah. 9, ok, parfait. Juste 3 animes. Ça serait parfait. Allez, let's go. Mise à jour de la boutique. Mais wesh, c'est chum. Allez, le deuxième. Espagne. Ouais, premier anime. Oui, oui, elle est nulle la carte. Elle est nulle, elle est nulle. Et écoutez-moi bien, à toutes les personnes qui critiquent le joueur, je vous mets à la porte. Première animation, ça fait plaisir.
ça fait plaisir. Nickel ça. Même si c'est pas une carte trop. Voilà, une petite anime au moins, c'est cool. Allez, le deuxième. Attendez, je vais faire comme lui. Regardez l'image. Dory, merci infiniment pour ton abonnement niveau 1. Let's go! Merci beaucoup les gars. Putain, ça fait plaisir. Deuxième animation. Ça fait plaisir. Et ma mère, ça fait plaisir. Ha! Ah, je garde. Oh putain, tu gagnes. Oh, ça m'étonnerait, mais vas-y. Ah. Dommage, hein. Dommage. Fallait pas demander trop. Ça fait quand même deux animations. On va atteindre l'objectif, c'est obligé. Des animations. Oh putain, tu nous as fait reculer. Belgique. Troisième animation, mais je connais pas. Lukaku, c'est bien ça, Lukaku. C'est bien. Éclaté. Ok, bah c'est pas grave. Une merde, c'est pas grave, troisième animation. Nickel. Putain, bah c'est mieux qu'hier. C'est mieux qu'hier. C'est bon, trois animations. Nickel. Il nous reste combien ici à ouvrir? Putain, les packs à 350, ils sont bien là. La vérité, ils sont bien. Ah. Il est bon, ouais, mais je l'avais pas. Je le garde. Comme ça, on va voir s'il y a des packs gratuits, tout ça là. C'est pour avoir obtenir des gros joueurs. Ah là là. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus rien. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est la merde. Colombo, un joueur français, ça c'est cool. Ah, il y avait... Hey, j'avais Ribéry. Nickel. Combien de packs encore? Ah putain, les packs 700 là, ça va faire mal. ça sent bon. Le gros zizi des abonnés. Ok, pas grand chose. Ça, je pense qu'ils m'ont donné... Ils ont dû donner mon dû, là. Ils m'ont dit, tiens, c'est bon, t'as eu tes trois animations, maintenant ferme ta bouche. Les États-Unis? Ils jouent au foot aux États-Unis? Moi, je pensais que c'était le baseball et le rugby. Je savais pas qu'ils jouent au foot. Allez, le dernier. Oh putain, je pensais que c'était une carte de la semaine, mais non. Oh, Suarez quand même, mine de rien. Bon, allez. Les packs à 600. Allez, je fais les méga, allez. Les packs méga. Mais non. Mais non, ouais, j'ai pas des trucs comme ça. Sergio Busquets, putain. Oh non. Mais non. Oh! Oh, j'ai une carte de la semaine! Yes! Nickel ça! Attention. Mais non. Genre Django là, je sais pas quoi. Aïe 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 aïe. Une anime ou une anime. Juste une anime, une petite, rien que plus.
S'il te plaît. S'il te plaît. Ah. Espagne, non. Rodri. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien? Ok. Let's go. L'autre. Ah là là. Les packs à 350, ils étaient mieux. Hein. Là, j'ai que du caca, là. Oh, tout ça, je l'avais, putain. Allez, plus que un. Plus que un. Oh là là. Ah, Di Maria quand même. Hein. C'est bien ça, Di Maria. Ça, je connais ça, Di Maria. C'était pourquoi Di Maria, ils l'ont pas mis en animation? À croire que c'est de la merde. C'est un bon joueur, Di Maria. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Vous êtes élu du concours de la plus petite bite de France. Vous êtes sélectionné pour la Coupe du Monde de la plus petite. Vous représenterez le Maroc sous ma responsabilité de Mister JP. Merci. On fait le pack. Mais non. Merci quand même pour les 5 euros. Pas grand chose. Ah, unanime. Italie. Donnarumma MMA. C'est bien ça, hein. Ok. On le garde celui-là. Hein. GG, merci beaucoup les gars. Ok, j'avais pas, c'est parfait. Ça, ça dégage. C'est le dernier là normalement, non? Oh là là. Oh mon dieu. Allez, dernière... Non, l'avant-dernière carte. Allez, s'il te plaît. Putain. Brésil. Diego Carlos. Ah, il ressemble un peu à Ronaldo. Ah, le Brésilien, là. Ok. Bon, dernière carte, hein. Petit anime pour... Enfin, pour bien finir, le meilleur pour la fin. C'était pas fut-fut, hein. Oh, j'ai... Casse Samuel, Samuel M'Titi. Casse Samuel, Samuel M'Titi. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Oui. Oh, merci, Kaina. Oui. Merci. Tu dis aux autres s'ils sont avec toi de venir manger. Oui, bah je vais prévenir tout de suite. Allez sur le live de JP, dites-lui qu'il décroche ce putain de téléphone. Oh. La classe à l'état pur. Eh oui, mon œuf.
On l'a, c'est pour ça tout à l'heure je vous dis, on l'a dans la villa, on est vraiment pas à se plaindre. On a tout ce qu'il faut, on a une femme de ménage, on a tout, on a de bien, c'est... Enfin bref, j'ai pas d'entrée dans le débat, mais les gens ne s'en rendent pas compte de la chance qu'on a de bien manger, de pouvoir live, et je sais pas. En tout cas les gars, bon app à toutes les personnes qui sont en train de graille. Bon app à vous. Je peux te la piquer pendant une semaine, c'est mort. Tu me la prends pas, Kaina. Il veut... Mais c'est important. Pourquoi il veut pas décrocher? Il est con, quoi. C'est pour Kaina. Il est con. Dis-toi, c'est pour Kaina. Ouais, comment ça? Ouais, quoi? Tu veux manger ou pas? Bah ouais, après. Khaled, dit si t'as faim, elle te ramène sur l'assiette ou soit tu viens manger? Non, je viens manger après, je vais finir mon live 20h. Vas-y, ok, ça marche. Bon, vas-y, bah bon live alors. Ouais, il préfère, finir son live. Moi, je mange tranquillement. Monte ton assiette, bah c'est ça. Elle m'a fait une salade de pâtes. C'est des pâtes colorées, vous avez vu? Des vertes, des oranges, des jaunes. Avec des tomates, poivrons, thon, maïs, deux steaks, œufs et jambon de dinde. Merci Vro pour ton prime. Merci. Tu manges quoi? Salade de pâtes, Fatou? Salade de pâtes. Avec steak. Merci mon Raphaël pour l'abonnement. Et bon appétit pour les personnes qui sont en train de manger. Je vais voir où se connecte le téléchargement. Bah, elle est là. Ah ouais! Il y a le chrono. Je pourrais y jouer dans 23h et 14 minutes. Regardez, c'est marqué. Vous avez vu? Dans 23h et 14 minutes, on pourra y jouer. Ça va être trop cool. Ouvre les packs à 150? Ouais, bien sûr. Je vais le faire. Il me reste du crédit et je vais ouvrir. De toute façon, on va tomber sur des bonnes choses. Coucou Christopher. Les abonnés, vous avez pas faim? Non? Tu regardes des animés? Ouais. Hier, avant de me coucher, j'ai regardé un film. Ça s'appelle God. God quoi? God of Egypt. Il y a le 1 et le 2. Là, j'ai regardé que le 1. Et je l'ai même pas fini. God of Egypt.
Attends, tu m'as marqué quoi, toi? Moi, je mange pas ce soir parce que j'ai plus assez de sous pour manger tous les jours avant la fin du mois. Hello? Hello, hello, 11210? Attends, tiens, je t'écris un petit message, je te commande un Uber. Chuchoté. Je t'écris un message. Je t'écris un message, hello 11210. Je sais même pas si je vais réussir à tout manger. On va blinder, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup, frérot. C'est gentil. Attends, mais par contre, j'ai pas eu cette coca, là. J'ai eu qu'une canette. Attendez, parce que j'ai eu qu'une canette. J'arrive. Tout le monde. Alors je me suis pris un autre coca et je me suis pris une Red Bull fruit du dragon. Donc voilà. Bois de l'eau en mangeant. C'est quoi de l'eau, Marine Hugo? Non, non. Par semaine, je bois à peu près... un litre, deux litres d'eau. Par semaine. Vraiment, en plus. J'avais faim, putain la vache. Merde, je suis positionné, désolé.
Waouh! Waouh waouh! Alhamdulillah. Ah, tu m'as répondu. Ah. Merci, tu es là. Oui, oh. Bah force à toi, Elo, hein, vraiment. Hein. Force à toi. Hein. Si on peut pas te livrer, je suis désolé. Hein. T'as été ban? Ouais, j'ai été ban, ouais. J'étais ban d'Insta, malheureusement. C'est pas grave, hein. Ça me fait chier. Donc j'ai plus de compte Instagram. Peut-être ils vont me le... Attends, je vais voir s'ils m'ont redébanni. Mais je pense pas, hein. Merci beaucoup frérot, mais je pense pas, non. Hop, j'actualise. Non, j'ai plus de compte. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que j'avais bloqué les... Enfin, je bloquais des gens, non, non. Plus de compte. Enfin bref, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Bon bah manque plus que Twitch et YouTube, hein. Après plus rien. Et après la rue. Et après vous serez tous contents. Vous serez contents si je suis banni de partout? Sincèrement. Est-ce que vous serez contents que je sois banni de partout? Oui. Ah ben. Merci mon ref pour ton abonnement niveau 1. Merci du fond du cœur. J'espère avoir un jour un Uber hit venant de toi juste parce que t'es trop gentil, t'es un mec en or vraiment. Allez, tiens, je t'écris un petit message. Regarde, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, hein. Tu peux me donner ton adresse, je vais pas débarquer chez toi. Hein. C'est plutôt l'Uber qui va débarquer. Donne ton adresse. Tu me donnes ton adresse et tu me dis ce que tu veux. McDo, Quick, et tu choisis. Putain, mais j'ai... J'ai faim, mais... Je vais manger comme ça, c'est plus rapide pour moi. Ah, pas de problème si je peux offrir 2-3 Uber. C'est avec plaisir. Pourquoi j'ai des si là? Je crois que tu abonné. Non, rien eu. Fausse alerte.
Ah. Oh, 31e mois. Yes. Yes quoi? Yes. Yes, bois. Ah bah ok, bah tiens. Prends une petite gorgée. Ouais, je fais que de boire là ces derniers temps. Et voilà. Putain, l'ancien TK. Eh, l'ancien TK, il aurait déjà fini son assiette. Hein. Vrai ou pas? Réel ou pas? C'est plus tard, je suis dessus là. En fait, c'est le maïs hein, qui me... Le maïs, hein, putain, waouh. Si vous aviez le choix... Si vous avez le choix de manger... Mais tous les jours, hein. Pâte bolognaise. Kebab tous les jours. Ou tacos. Vous prendrez quoi? Les pâtes bolo? Tacos? Kebab. On pouvait plus. Alhamdoulilah. Attendez, je débarrasse, j'arrive. Je sais pas pour vous. Dès que mon bureau. Enfin, je sais pas, c'est psychologique. Je sais pas que vous, comment vous faites. Est-ce que quand t'as trop de bordel sur le bureau, t'as du mal à jouer, t'es pas concentré? Alors que quand c'est bien propre, t'es bien, t'es frais. Ah ouais, moi non. Je peux pas, moi. Je descends de mon plateau, j'arrive. On dirait que j'ai jamais mangé de ma vie. Voilà. Oh putain, tu nous en fous rigole. Ah. Alhamdoulilah.
Y'a eu un raid là ou quoi? La modération? Bon allez. Je... Oh. Alhamdoulilah. Eh non mais... C'est un troll, ok. Les abonnés! TK, j'ai installé la campagne... Ouais, Chirac, bah tiens, regarde. Elle est là, la campagne, je l'ai, elle est là. Et il m'annonce dans 22h54. Je finis mon live, je m'occupe de ton cas. Comme il est trop beau le perso. Le masque avec le squelette, là. Mmh. Bien dessiné. Ok, ça y est les abonnés, ça y est, c'est un troll, mais vous avez cru que... Oh, attendez, je vais vous poser une question, Oh, je sais que c'est du troll, d'accord? Est-ce que sur mon front, c'est marqué abruti? Non mais vraiment, c'est marqué abruti sur mon front? Non! Ils ont dit oui. C'est un... Ah là là. Un FIFA 23. Ok. Ok, bah les packs promo c'est fini. Est-ce que je sache. Vas-y, on va viser le pack là. C'est bon, les, ça y est. Ok, Argentine, ça sert à rien. Ah non, merci. Allez, les packs ici, c'est parti les gars. On espère qu'on va tomber au moins sur un petit truc. Allez. Wesh tes yeux frérot, qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Tu m'as fait peur. Oh français. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux? Ils sont très bien mes yeux. Tu m'as fait peur. Genre tu m'as fait peur. Merci beaucoup frérot pour l'abonnement niveau 1. Plus combien de subs les gars? Combien s'il vous plaît? Faut qu'on atteigne l'objectif ce soir. Ah oh, le nouveau Call of putain. La campagne, enfin. Oh là là, ah, lumière. L'Allemagne. Oh là, non, j'ai rien dit. Vous allez commencer à me sortir des trucs bizarres, sans là, non. J'ai rien dit. Bon, là, une petite anime, histoire de dire, voilà. Ah, lumière. Espagne, encore? Oh, que d'Espagne depuis tout à l'heure, là. Oh, merci beaucoup, frérot, pour les 5 subs offerts. Merci du fond du cœur, mon ref. Combien? 4. Merci, mon ref, pour les 5 subs. Merci du fond du cœur. En ça, merci beaucoup. Oh, putain, je pensais que c'était l'équipe de la semaine. Dès que je vois une carte noire, c'est, je me dis que c'est une carte de la semaine. À chaque fois, je me fais troll. Ouais, j'ai mangé un peu trop vite, putain. Quartier général. Recherche et destruction. Allez, vas-y. Oh, hier, j'ai ouvert des packs à 150. J'ai eu des petits trucs. Oh, c'est bon, là. C'est quoi ce merdier, là? Fais gaffe, fais attention, tu peux mourir du hockey. J'ai jamais vu ça, frérot. J'ai jamais vu quelqu'un mourir du hockey, moi.
le hockey, le truc comme ça là, pas le... Enfin, je veux dire, pas le hockey de la patinoire, quoi. Oh, merci beaucoup, frérot, pour le sub. Deux subs offerts, merci infiniment. Merci, mon ref. Merci, mon ref. Merci du fond. On a que dalle, hein. On a que dalle. Putain, 750. Allez, j'ai un petit truc. Juste, il fait semblant, on s'en fout. Ah, tavernieux. Nier, pardon. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les derniers packs, là, ça va être du lourd. Allez, on peut en faire 3. Les gars, doucement, l'espace commentaire. Argentine. Oh, Di Maria ? Hein ? Di Maria avec un pack à 150 ? C'est cool, Di Maria. Oh merde. Je les monte en haut. Je sais pas, ça coûte combien un Di Maria, mais... Enfin! Équipe de la semaine! Bon, même si c'est nul, c'est pas grave. Au moins, équipe de la semaine. Ça, ça vaut 10 000, ça. Oui! 9 000, enfin bref, c'est pareil. Voilà. Allez, plus que 3, plus que 2. Et ensuite, on va faire les packs gratuits. Di Maria, il vaut rien, bah... Pff, je comprends pas, avant, hein, tout le monde le... Ouais, il est trop fort. Je sais pas pourquoi ils l'ont boycotté comme ça, Di Maria. C'est un bon joueur, bordel de merde. Ok. Oh, 84, Tonali. Ok, on va appeler Cafu. On va appeler Cafu pour... juste qu'il nous fasse le truc gratuit. Allez, hop. Alors, c'est où? Défi de création d'équipe des trucs. Ok. Merci beaucoup, la club de JP. Merci beaucoup, frérot. Salut, TK, aide-moi, JP. Me fume trop. JP. M'adore-moi et mes potes clopes sur la vie de la cendre saucisse qui suce le berger. 250, /, /, visage mal à l'aise égal. Du coup, je disais, on va aller voir dans les icônes, il y a quoi? Ok, moi, il me faut très aigué. Ça, je veux qu'il me fasse ça. Échangeable. Vas-y, je vais obtenir un retrait égal, j'arrive, je vais appeler Cafu. Cafu ? Cafu ? Y'a moyen que tu m'aides ? Ouais. Ouch. Aïe, je me suis fait mal. Les gars, vous allez choisir. Les gars, vous allez choisir pour moi. J'ai envie de chocolat. Alors, soit c'est le bleu, je mange le bleu. Soit je mange le jaune. Ou soit je mange celui-là, le rouge. Le jaune.
Jaune. Le crème brûlée. La modération, vous pouvez faire des votes entre le jaune, c'est crème brûlée, rochelé, c'est comme les ferro rocher. Os spiculos. Chocolat au spiculos. J'ai envie de manger de chocolat, moi. Ouais. Je suis sur Tello, ok, Océane, toi, c'est pas grave. Les autres, vous pouvez pas ? Miss Gameuse. Enfin, Mallory, je sais pas, c'est là. Kaiser ! Oh, Kaiser ! Oh, gros lard ! Oh ! Ah, pour m'envoyer tes photos de tes pieds à 7h du matin, il y a du monde, hein. Par contre, pour faire ce que je demande, il n'y a plus personne. Bon. Bah, du coup, je vais prendre... vous étiez nombreux à me dire... la crème brûlée. Je vais ouvrir... C'est la première fois que je goûte ce goût. Ouch. Attendez. Eh, ça sent vraiment le chocolat. Vas-y, je vais goûter. Trop bon. Trop bon. Bon. Oh. J'arrête de manger du chocolat. Je prends mon dernier carré. Non, ça y est. Faut vraiment que j'arrête de... J'arrête le sucré, ça y est. Wouh ! Ok. Du coup, il y a Cafou qui est en train de manger. D'accord, il y a Cafou. Et puis voilà. Pour les personnes qui savent pas, je vais vous faire montrer un peu. Je vais vous faire montrer un peu l'équipe que j'ai. Ok. Tout ça, c'est mon équipe. Samuel Eto'o, Didi Drogba, Rivaldo, Rui Costa, Essien, Makelele, Roberto Carlos, Ferdinand, Ketch, Desailly et Cafou. Oui. Oh, t'es là. Ici, on a Schrick, Aubameyang, Mané, Terrier, Diaz, Benzema et Haaland. Tiens, mon ref. Désolé. Hop là. Bien, Cafou. Quoi, les gars. Bien. Je vous présente Cafou. Le monteur de...
Nophonie a le vrai nom, les gars, parce qu'il m'appelle Cafou. Ouais, c'est Nophonie, mais nous, on l'appelle Cafou. Il ressemble pas à Cafou, regardez. Il ressemble pas à Cafou. Elle est où, la caméra? Pas du tout, les gars. Si, si. Il y a quelqu'un qui a dit Mbappé. Ouais, je vais pas prendre plus de ton temps. Pour reconnaître Cafou, ils connaissent même pas Cafou, certains. Mais ils connaissent même pas Samuel Eto'o. Il y a même Rivaldo. Vous connaissez Rivaldo? De Saï, ils connaissent pas. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est Feur. Réel, crois-le. Naha, Daha. Tiens. Tu veux que je te fasse quoi, là? Je veux. Défi de création. Je veux lui. Très aiguë. Oui. Il est vraiment éclaté. Oui. En attendant, c'est grâce à lui, avec l'Italie, qu'on a gagné. Ah, tu veux juste le faire pour ça? Ah oui, mais tu vois. Alors, genre exactement. Tu peux pas mettre un truc automatique? Oui. Hein? Que je vais faire. Ah ouais, mais t'as même pas de joueur bronzera. J'ai rien. Oh non. Mais oui, mais bah t'achètes. T'achètes tout ce que t'as besoin. Ah là là. Comme ça, c'est que t'as pas de bronze. Tu les as vendus en rapide. Bah ouais. Bah c'est les abonnés qui me disent. Ah, mais les bronzes, ça sert à rien, ça coûte rien. C'est les abonnés qui m'ont dit, ouais, les bronzes, ça sert à rien, faut les vendre. Ah, les abonnés. Ah, mais justement, ça sert même à rien si tu les vends. Ça coûte rien. Non, vu qu'il y a le défi. Ils m'ont dit j'arrête de mentir. Les abonnés qui se fâchent. Vous êtes les abonnés, je peux. Vous êtes fâchés? Est-ce que vous êtes fâchés? Ils m'ont dit. Il veut quoi, Cafou? Bah, il a rien fait, Cafou le pauvre. Il a dit il veut quoi? Moi, j'ai cru que c'était Benzema, mais tiens, en plus vieux. Mais le barbu là. Rien à voir. Rien. Vas-y. Donc là, t'es en train d'acheter des joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous connaissez des gens? C'est bon, c'est con la question, mais. Vous connaissez des gens qui ont une équipe de bronze, full bronze, et qui ont fait les championnats et ils ont gagné? Genre FIFA Champions? Ouais. Avec une équipe moi, de bronze. Déjà tombé contre une équipe full argent. Mais pas bronze, jamais bronze. Alors, Zégué. Et Sien, tu vas pas le faire? Je l'ai déjà. Tu l'as acheté? Hein? Tu l'as acheté, Jean? Ah oui, je peux l'obtenir et le revendre. Ouais, mais ça va devenir cher, hein, je pense. À moins que t'aies les joueurs dans le club. Hein? À moins que t'aies les joueurs dans le club. Bah, regarde, ouais, on va voir. Alors... De toute façon, tu le sais qu'il y a beaucoup de joueurs avec qui je joue pas, même s'ils sont bons. Ils ont pas dit. Il y a un mec qui a dit c'est pas Cafou, c'est Café, ouais. Bande de sales chiens. Hop. T'as lu, tu vois, le Knoll là. Tu vois, on dirait pas un peu Benzema, mais dans 10 ans. Ah oui, attendez, t'as vu la photo de Benzema, son doigt? Son doigt? Ouais, il a quoi au doigt? Il a rien, genre en fait, il s'était cassé le poignet, je crois. Et du coup, il a mis une bande. Et il commençait à jouer avec une bande, et depuis, il met tout le temps une bande. Mais il a rien au doigt. Mais si, il a un doigt. Je pense pas qu'il a un truc. Il a rien, non, au doigt, les gars. Ça, c'est fait. Ah, fracture du doigt, ok. Pouah. Merci beaucoup, frérot, pour ton deuxième mois. Plus que un, là, c'est ça? Non, il y en a encore. Là. Il y en a encore. Ah ouais. Oh là là, c'est des argents rares, ne me dis pas que t'as vendu des argents rares maintenant. Oh. Oui, gagné. Alors. Heureusement qu'il nous reste des argents là. Il a une fracture, il veut pas se faire opérer pour pas être éloigné des terrains. Ah ouais, bah il a raison. Hein. J'arrive même
pas voir si c'est rare ou pas. Wesh, il se passe quoi là? Pourquoi les joueurs sont pas... Ils sont pas rares, certains. Enfoiré. Tu vois, t'as des trucs et maintenant ils te disent non. Il a mangé quoi? Bah il a mangé la même chose que moi. C'était bon ou pas? Ouais, c'était trop bon. Franchement, t'en penses quoi de la femme de mien? J'allais bien. Ouais, gère de fou. Tu vois, gère de ouf, frérot. Gère de fou. Tu sais que c'est mieux, genre, depuis qu'elle est là. C'est beaucoup mieux. Depuis qu'elle est là? Ouais. T'as vu, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. De fou. Ah oui, elle a pas fait la chambre de JP aujourd'hui. Si. Elle a fait la chambre de JP. Elle a dû péter les plans. Elle a pété les plans? Elle a dû. Hein, c'est obligé. Elle a fait la chambre de JP. Putain. Alors. Le jour de l'anniversaire de JP. Oh, la surprise qu'on va préparer à JP le prof à son anniversaire. Je l'ai dit, non? On va appeler les keufs. Jure? On va appeler les keufs, ouais. On va ramener les keufs à la villa. On va dire qu'il y a un squatteur à la maison. C'est pour ça qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit, ouais, j'ai jamais fini mon carte d'habitude. On va dire, il veut pas. Il veut pas sortir de la villa. Putain. Des vrais policiers ou des faux? Non, des vrais. Oh, merci beaucoup frérot pour ton 4ème mois. Oh, oh c'est, c'était une anime, j'ai ski, putain. C'est qui? Ruben Dias, 88. C'est bien ça? T'as imagine en... Oh, je rêve portugais, je rêve ça. Ça va vite fait. Allez, plus que un. C'est lequel, hein? Une équipe notée à 86. De toute façon, toi, tu joues qu'avec les légendes, on est d'accord? Ouais, attends, regarde bien. Ok, mais déjà, celui que tu viens de packer, on va le mettre. Ça, c'est le non échangeable. Hein. Ouais. J'ai des bons trucs ou pas? Hein? Je pense que ça va suffire. Mulionel, ta mère, c'est Pascal le grand frère, tu sais pourquoi? Eh ben non, bah tu vas nous le dire tout de suite. Fallait pas le bannir. Vas-y, dis-moi. Désolé pour les pubs, les gars. Suuu. Donnarumma, tu n'utilises pas? Qui? Donnarumma. Non, je n'utilise pas. Okay. Ah oui, je suis LGBT, tu peux me le supprimer? Ça, ton nom de club, c'est Je suis LGBT. Bah oui, c'est BK qui me l'a marqué. Mais je sais pas comment ça s'efface. Ouais! Wouh! DGG dans le chat, les gars! Autorisation de mettre des drapeaux FR! Nickel. C'est bon? Nickel, merci beaucoup. Attends, je regarde un truc. Mais il est trop beau. Oh là là. Attends. J'appuie l'un pour le garder. Hein. R2, ouais. Ok, une légende. Est-ce que c'est... Ah oui, mais là c'est... Attends.
Est-ce que je peux l'avoir lui? L'autre, je l'ai, je le vends. Il coûte combien l'autre? Ah, je sais pas, si tu peux regarder le spi. T'as pas assez de joueurs dans le club en fait. Ouais, faire une équipe à 87, en fait, tu vas devoir acheter des joueurs à 20-30 000 et tout, il va te revenir au même prix en vrai. Ah, d'accord, ok, bah laisse tomber alors. En vrai, ça, ça... Et est-ce que les des autres packs, regarde, c'est des packs? Il y a eu des packs, non? Merci beaucoup frérot pour ton deuxième mois. Ah c'est quoi là? Alors joueur président Ternion 2, championnat max 3, et max 3. Ah c'est pour avoir quoi? Pour avoir un pack méga là. Vas-y ok. On a un pack méga là. Pourquoi il me dit c'est bien le perroquet? Oh ça va les gars? Kaiser, c'est maintenant que tu te réveilles hein. Quand je t'ai demandé de faire un vote. Merci beaucoup Antosk, merci beaucoup frérot. Plus que combien de subs? 4 subs, 4 subs. Oh. Plus que 4 les gars, Inch'Allah on atteint les 30. Et on a un pack méga putain. T'imagines notre icône. Une icône. Tu penses que c'est possible dans les packs à... Merci beaucoup frérot pour Anony, merci. N'oublie pas de faire appel à Pascal, le grand frère pour JP. Il gère les ados en crise, il saura s'occuper de lui. Merci. Mais que des Français de Ligue. J'ai pas compris. Que des Français de Ligue? Ah ouais. Con, c'est une dinguerie. Pourquoi il se passe quoi? Le gars m'insultait pas. Hein. En fait, depuis tout à l'heure, je fais la même chose. Ok, il manque juste le coup de la note. Merci beaucoup, Millionel. Yo, TK, je voulais te dire que c'était toi qui me faisais le plus rire, qui me remonte le moral, parce que j'ai des problèmes. Dans ma famille, ça me fait chier, et pour ça... Merci beaucoup, Muriel. C'est bon, tu l'as fait, le pack? Ouais. Le pack méga, les gars! Ça va chier! Attends, le pack méga, c'est... Même un pack à 25 000. Le pack méga, c'est celui-là? Ouais. Là, c'est parti. Allez. Tiens, tu parles pas de méga là. Oh 10 000 crédits. Ouais. Bien. Tu le gardes ou tu le vends? On va le vendre après. En tous les cas, il vaut 10 000. Hein. Ouais. Ok, allez, le dernier. Oh là là, mais non. Il y a un pack pour avoir un boost. Voland, mais... Le pack méga pour avoir du... Bon bah c'est pas grave.
Attends, juste, hop, Trezeguet. J'aurais, attends, juste le Trezeguet. Ah putain. Tu vas mettre à la place de qui? Parce que les deux attaquants, là, t'as deux monstres. Putain. Tu mets sur le banc et tu peux rentrer des fois en deuxième mi-temps ou quoi. Ouais. Attends, et la carte plus forte de Drogba, ils l'ont pas encore mis? Parce qu'ils l'ont mis sur Twitter, hein. Passe, vas-y, passe. Côte d'Ivoire, tu mets juste Côte d'Ivoire. Merci beaucoup frérot pour ton prime! Déjà, elle, je pense la 87 est les meilleures, du coup ça sert à rien. C'est la 91, hein. 91, je pense pas. Ils l'ont pas encore mis? Ça sort quand les gars, les cartes prime? Les cartes prime, elles sortent quand les gars? J'aimerais bien l'avoir ce Drogba, le 91. C'est le plus puissant. Il doit être trop fort. Ah ouais, les récompenses d'objectifs, on les a? Comment... Regarde. Vas-y, regarde. Regarde juste, il y a des packs, des gros packs que je peux avoir. S'il n'y a pas, les... peut-être sa mère. Oh. Non, on a rien. Sors dans le monde. On a rien les gars je crois hein. On a que du caca. Pas de la merde quoi. Stade. On a rien. Merci beaucoup, Léox 13180 pour ton prêt. Merci du fond du cœur, mon ref. Ok. Les deux autres, ils sont pas mal. Les potes. Ah, petite lumière déjà. Ils sortent à 21h les cartes prime, eux. Ouais, mais ils mangent. Non, ils mangent. Regarde ce malade. Regarde, mon propre modérateur. Hein. J'ai envie de te lécher l'œil, Jawed. Mais dis-toi qu'il pense vraiment, ce cochon. Hein. Merci beaucoup, frérot, pour ton prime. Plus qu'un, Inch'Allah. Vas-y, ouais. Celle-là ou celle-là? Le 82 plus, en vrai. Ouais, ouais. Allez. Wouah. Merci beaucoup, jeu d'enfer. Merci mon rêve. Eh bah 30. Merci infiniment les gars. Quel enfoiré. Avec la taille du front de Nofony, il s'appelle pas Nofony, il s'appelle Nofony. On a eu que du caca. Hein. Ouais, éclaté en vrai. Bon bah voilà. Bon. Ouais, Nofony, merci infiniment. Bon courage pour le montage. Merci. Bon courage. Ouais, bon live. Merci beaucoup, frérot. Bon courage. Du coup, les gars, on n'a pas eu grand chose, hein, ça. Hein, on n'a vraiment pas eu grand chose. C'est pas grave. Les abonnés, merci du fond du cœur pour ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se capte demain. Demain, gros live demain pour la sortie du nouveau Call of. Et puis voilà. Merci à tous, les gars. Profitez bien. On se capte demain. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été présents et présentes. Et on se capte demain, Inch'Allah. Sur ce, les khay, yarbe'ankom, tarafarozkom. Tchabay, c'est meilleur.